Et bonsoir. Et yo les gens. Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous nous entendez? Bon, c'est la hype. C'est la hype, mais on n'a pas encore le PTB, les gars. Il reste 3 minutes. Ouais, le PTB arrive. Hello, c'est bon, on nous entend, on nous voit. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir les gens, bonsoir à tous. Non, Colin. De quoi, Vaudou. Non Vaudou qui disait non, on t'entend pas, Colin. Ah bah super, on m'entend pas, super. Non mais si. Non mais je sais. Du coup, ouais, c'est un peu la hype. Oui, c'est un peu la hype, sauf que bon, bah voilà, faut attendre. Ouais, ouais, ouais. Bon, on voit rien parce que la cam. Oui, mais si, on voit là, temps restant. Ah oui, on voit. Là, on voit que c'est caca. Attends, mais ici. Laisse mon écran plutôt. Parce que moi, il y a la musique au moins en fond, vite fait. Certes. Allez, elle est très très forte, je viens de voir. C'était très fort. Bah oui. Mais gros, ouais, on s'est arrêté il y a quelques jours où on avait juste un petit. On avait quoi? On avait un trailer. Juste le trailer. Un teaser. Ouais, c'est un trailer. Et au final, du coup, Kossou, tu vas peut-être pouvoir montrer le trailer qui est sorti cet après-midi. Oui, attends. Attends, Colin. Il a 53 pages, après, il me fait « Ouais, je lag ». Des fois, il me le dit jamais. J'ai dit ça. C'est moi qui dis « Oh, je lag ». Il est fou, lui, hein. C'est bon ? Attends, je sais pas si c'est le bon. Oui, c'est bon. Voilà ce qui est sorti il y a quelques heures, même pas, il y a 3 heures, il y a 2 heures. Ça change de d'habitude. C'est pas naze. Voilà, voilà. Wow. Du coup, avec nouvelle map, ce qui n'était pas prévu, nouveau survivant et... Nouvelle map, nouveau survivant. Nouveau tueur, peut-être. Et nouveau tueur, éventuellement. Effectivement, éventuellement. Tueur. Et du coup, il reste 17 secondes pour le DL, plus l'installation. Bientôt. Et du coup, on sait qui est le nouveau tueur, on sait qui est la nouvelle survivante. Mais là, on va aller tester les trucs de base direct. On va aller lire les perks et peut-être même avant ça... aller tester le Memento. Ouais, Memento directos. Même si apparemment il y a déjà, en fait, on sait plus ou moins déjà les bugs qu'il va y avoir en jeu, puisqu'apparemment la survivante a un problème de son, il n'y a pas de son, enfin tout ça quoi. Super. On connaît les bugs avant de connaître le jeu, on est pas mal. J'arrive pas à avoir les bons trucs. Ah. Mais ça tombe bien que tu veuilles savoir le gameplay, nous aussi on aimerait beaucoup le savoir. Oui. Merci beaucoup Maureen pour ton sub prime, merci beaucoup pour tes 2 mois d'abonnement. Bonsoir. Joyeux anniversaire à moi. T'es un peu en avance quand même, Maureen. Oui. Cet anniversaire, c'est dans 10 mois. Merci beaucoup en tout cas pour ton subprime. Il y a un bug sur le Mori, justement. On peut le faire. Oui, je pense, oui. Mon PC, il fond. Si jamais je fais un Mori, je m'en fous. Mais autant que je peux le faire, c'est bon. Je ne peux pas installer le PTB, c'est normal. Bah non. Non, bah c'est que sur PC. Mais oui, pareil, Nélin, je suis choqué qu'il y ait déjà le PTB, en fait. Bah, en fait, ce qu'on s'est dit, parce que... On se disait, non, ils vont pas le sortir si vite, ce serait pas logique, ils ont jamais fait ça. Sauf que vu qu'il y avait déjà, je sais pas d'où, qui a fuité tout le contenu du... Non. De quoi? Il y a pas les perks, il y a pas le pouvoir. Il y a pas les perks, il y a pas le pouvoir. Il y a pas mal de choses, mais il y a déjà pas les bugs, on savait déjà ce que c'était le tueur, quoi. On savait déjà que c'était un ennemi. Mais voilà, du coup, quoi. Pour moi, ils se sont peut-être simplement dit, bah, vas-y, on s'en fout, on y va, quoi. Merci beaucoup, Audrey, pour les 21 mois d'abonnement, merci beaucoup. Re-bienvenue. Je vais commencer à faire mes petits post-it, surtout que là en plus c'est pas comme si j'avais beaucoup de temps devant moi. Hein. Voilà. Il est où mon stylo Il est là. Il est là. Hop. Twitch m'a dit que c'était mon anniversaire, là c'est mon anniversaire. Ok. Attends, il y avait qui? Il y avait Maureen 31. Bon, du coup, il reste plus beaucoup de temps. Enfin, 6 minutes pour moi, 10 pour Kossou. Oh là là. Okay. Je pensais pas que ça manque de musique de fond, par contre, c'est relou. Bah, mais la musique. Ouais, mais tu veux que je mette quoi? Mais si tu veux, j'en mets, moi. Vas-y, je mets... Attends, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre un thème de Dead by Daylight. Oui, si tu veux. Il y avait un thème pour Noël? Oui. Alors. Fais juste que je le trouve. YouTube. Merde, il y a marqué les bros sur ton écran. De quoi? Attends. Ah.
Ok, Kossu, il modifie mon écran, il rectifie pas. Non, mais d'accord. C'est un inconcevable. Salut ceux qui arrivent. Salut ceux qui arrivent. Ça y est, on est en train d'aider le PTB pour ceux qui prennent en cours de route. Et du coup, on sera sur les nouveautés d'ici quelques minutes. C'est ça que je dois modifier. Tu peux écrire Collins. Gnac. C'est pas écrit son pseudo. Attends, mets ton écran 2 secondes. Oui. Parce que je veux juste tester, c'est bien ça. Je trouve que c'est plus rapide que Stranger Things. Bah, c'est juste que. Là, je sais pas, genre, ils nous ont sorti trailer, boum, PTB, boum, boum, boum. D'habitude, ils font un live et tout. C'est pour ça, d'habitude, ils font un live où ils présentent les nouveautés avant de faire la sortie, mais. Mais pourquoi pas, hein, après tout. Est-ce que c'est pas un peu fort, là, mon écran, bien sûr que si. Hop, comment on fait pour mettre un truc en boucle sur. Ah, pas besoin. Ah si. Mais tu fais vite fait, tu fais toi-même. Ouais, oui, c'est pas faux. Bon, j'espère que c'est pas trop fort la musique de fond, mais c'est histoire de pas rien avoir. Oui. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah, je suis trop hypé aussi, Blue Rise. J'en veux plus. Ouais, la hype est présente. C'est jamais allé aussi vite. C'est jamais allé aussi vite. Là, on a le trailer, le nouveau tueur dans la journée, sur le PTB. Actuellement, je deviens fou, ni de voir. Nous deviennent tous fous, là. T'as combien de temps, toi? 4 minutes. Et le PTB, c'est mais... que sur PC. Punais, j'ai lancé avant lui, il me pompe Mako. Oui, bien sûr. C'est pas possible, hein. Mais du coup, on est que le 19 et ça sort en décembre, ça va être l'attente. Bah là, déjà, à mon avis, vu le nombre de bugs apparemment qu'il y a déjà, on a le temps. Et non, on va pas lire le patch, les gars. Ce serait ce spoil, c'est un peu con. On est oui. pas. Là, on veut découvrir fois... complet le. Pour une le fois qu'on découvre vraiment. Bon, pas à 100% parce qu'on a déjà vu la gueule du tueur et de la surveillante, mais... C'était pour Rin, justement, c'est ce que je disais, j'étais hyper hype que ça soit... Enfin, j'espérais que ce soit comme ils avaient fait pour Rin, c'est-à-dire qu'ils avaient pas mis le trailer, ils l'avaient mis qu'après. Et ouais. En gros, on avait ouvert le jeu, on avait découvert que c'était une femme, on avait découvert que c'était Rin, etc., tout ça en live. Oui, mais c'est vrai. Coup, Le patch est sur Reddit, oui. Salut Chloé, Jérémy, salut tous ceux qui arrivent. Du coup, vous savez pas ses pouvoirs, on ne sait absolument rien. Je sais qu'il y a déjà eu des petites ébauches. Ouais, on va dire ça comme ça. Des ébauches de son pouvoir, etc. qui ont fuité, etc. Mais on sait pas spoil. Donc. Et du coup, HD UD, le tueur, sort maintenant sur le PTB. Il est déjà accessible. Il doit ouais. y avoir des gens qui jouent avec. Et il sort après officiellement en décembre. Là pour l'instant, c'est que sur le PTB, donc que sur PC. Mais il y aura des bugs, il y aura des trucs qui manquera, enfin qui manqueront et tout, enfin voilà voilà. J'ai hâte de voir la madame aussi. Alors pour le coup survivant c'est pas du tout le truc qui me hype. Bah, mais là ça a l'air de, je sais pas, elle a l'air stylée la dame. Moi en fait le tueur me hype pour jouer contre. Mais après sinon je. Ouais bah si moi si, j'ai quand même hâte de le tester. Yes Kirito, le PTB est dispo. Vous voulez, est-ce que je fais un petit tuto? Je vais faire un petit tuto le vite fait. Oui. Si. Oui. Hop, quand vous êtes dans la bibliothèque. Sur le Discord, le petit tuto, hein. Si jamais. J'aurais déjà fini. Vas-y. Vous faites clic droit dans. Vous avez vu, en plus, c'est beau, hein. C'est beau, moi je trouve ça beau. Clic droit sur votre jeu, propriété, bêta, et ici là, vous mettez public test, et puis voilà. Après, vous fermez, et c'est tout. Vous attendez, et après, ça télécharge. Voilà, voilà. Bien sûr, une moto dans le jeu, comme sur le teaser, bien sûr, et on fait des courses après dessus. Oui. Et le but c'est de gagner la course pour pouvoir sortir du jeu. Ça ne ressemble plus à rien. Et d'écraser les Claudettes Fufu aussi. Merci beaucoup Gabi. Merci beaucoup Gabi Gamers. Pour les 25 bits. Et nous malheureusement nous n'irons pas à la Toulouse Game Show. On a décidé qu'on avait d'autres priorités dans les mois qui arrivaient. Et du coup voilà, c'est pas prévu. On écrase le tueur avec la moto, ça je valide. Et si vous n'avez pas le public test de dispo, c'est que faut redémarrer le Steam. Et merci beaucoup Valériane pour les 100 bits. Nouveau tueur, nouvelle survivante et nouvelle map aussi. Et nouvelle map. Oh, nouvelle map. Genre là, on a la nouvelle map, je viens de capter. Ben oui. Oui, non mais j'avais pas capté qu'on allait après, pouvoir tester Yamaoka, la nouvelle hein. map. De quoi? C'est Yamaoka. Oui, c'est un remix de Yamaoka. Oui. Oui, mais ça reste une nouvelle map. Oui, bien sûr.
pour ça qu'on va faire beaucoup de custom. Là, on va faire une custom pour tester le memento, etc. Ouais. Et après, moi, je vais sûrement partir en survivant pendant que Colin suit ta grand tueur. Si le tag tueur est long, si le tag tueur est court, au début, peut-être, avec un peu de chance, j'irai peut-être un peu tueur aussi, mais une fois au moins. Bah, en fait, faut qu'on voit le temps de tag en tueur, etc. Il y a 10 minutes de DL, c'est 10 minutes de trop. Et attends, là, en plus, on a fini le DL, là. Ouais, là, c'est l'installation. 30 secondes. Là, moi, dans 30 secondes. 30 secondes. On découvre tout le bordel. J'en peux plus. La map, c'est pas un temple de je sais pas quoi. Je vois trop un méga temple, un giga temple japonais. Bah, c'est... Merde, je me souviens plus le nom. Attends, je l'ai sous l'œil. En plus, j'ai sous la main, il est pas loin. Allez, j'ai coupé la musique, il reste 10 secondes. C'est Sanctum of Wrath. Donc le sanctuaire de la colère. Je pense que c'est ça. Donc ouais, ça doit être un peu temple, etc. Ouais, je pense. Kosu, regarde cet écran ici là. Wrath, pas Wraith, c'est pas la même chose. Attention. Le jeu, si tu crashes. Non. Je te désinstalle. Énorme menace, hein. Parce que Wrath, c'est la colère. Et Sanctum, c'est sanctuaire, donc logiquement. Lance-toi. Mais c'est pas temple, du coup, je sais pas, on va voir. Ah, ça y est. J'aimerais bien un truc avec un dojo et tout. Oh là là. Du coup, oula. C'est Pixalezaï. Allo Houston, nous avons un problème. Ah, voilà. Allez, petit jeu. Tu as d'autres priorités, Atsuno. Oui, on est sur le PTB. Du coup, découvrons ce nouveau tueur. Allez. Oh. C'est nouveau, ça, non? Le petit... Non, elle est survenue. Elle n'a pas pu mettre à jour votre rang. Nick Tam. Non, pardon, Collins. Mais non. Mais non. Mais au pire, tu mets pas de rang, hein. C'est pas grave. Parce que oui, en plus, il y a une nouveauté avec les rangs. Ah, ça y est. Quoi? T'es passé du rang 17 au rang 13. Oh. Kosu. Ah ouais, il y a un petit temple. Il y avait un petit Bouddha chelou. Du coup... Ça allait dans l'autre, mais c'est pas grave. Il est beau. Oh my god, oh ses cheveux sont tellement stylés. Il est tellement énorme. Ouais, par contre, j'avoue qu'il est dans le dos. Énorme. Wow. Juste. Il faut que je regarde. Non, bah je vais pouvoir lire, c'est en français. Mais je voulais voir un truc vite fait avant, personnalisé. Bon là, avec les yeux givrés, ça ok, et le reste, pour le moment, on n'a pas d'autres skins. C'est logique. Et ça, hop, ça... Non, ça, je veux juste lui, hop. Du coup... je suis perdu, ici. Non, au-dessus. Quoi? Le pouvoir. Le pouvoir. Le pouvoir, c'est pas bête. Colère de Yamaoka, absorbez les... Vas-y, je te laisse lire pour le pouvoir. Ça va être je sais pas trop, hein. Ah, merci. Le désir de détruire les lignées inférieures a pris forme. Colère de Yamaoka, absorbez les orbes de sang laissés par vos ennemis blessés. Donc, quand on blesse des ennemis, il y a des orbes de sang. Quand votre jauge de puissance est pleine, appuyez et maintenez le bouton pouvoir pour lancer Fureur Sanglante. Ok. Fureur Sanglante. Tant que Fureur Sanglante est active, l'Oni devient létal et accède... Ouais, par contre, j'avoue qu'il est magnifique, là. Hein. On en parle, là, de ce qui vient de se passer, parce que toi, t'as pas eu le son, mais... Non, je n'ai pas eu le son, moi. L'Oni devient létal et accède à des capacités supplémentaires ruée démoniaque et coup démoniaque. Donc capacité spéciale ruée démoniaque. Appuyez et maintenez le bouton de capacité active quand Fureur Sanglante est active pour effectuer une ruée démoniaque. Je pense que c'est ça quand Fureur Sanglante. Ça c'est quand il a récupéré suffisamment de sang et du coup il se transforme dans ce truc là. Du coup voilà, donc ruée démoniaque, appuyez et maintenez le bouton capacité activée, conférence anglaise est active pour effectuer une ruée démoniaque. Cette capacité permet à l'ONI de parcourir de grandes distances rapidement. Soit. Attaque spéciale, coup démoniaque, appuyez et maintenez le bouton d'attaque quand fureur sanglante est active pour effectuer un coup démoniaque.
coup démoniaque a une plus grande portée et plonge immédiatement les survivants touchés en état critique. Donc un one shot. Ok, bah en gros il peut se transformer en fait. C'est 3 perks, ennemi juré. Vous cherchez à vous venger. Ouais, vous cherchez à vous venger de ceux qui vous ont fait du tort. Un survivant. Attends, je vais lire vite fait. Un survivant qui parvient à vous aveugler ou étourdir avec une palette ou un casier devient votre obsession. Dès qu'un nouveau survivant devient l'obsession, il est affecté par l'effet du statut inconscient pendant 40 secondes et vous voyez son aura pendant 4 secondes. Le tueur peut être obsédé par un seul survivant à la fois. Ok, c'est donc ça, c'est chaque fois qu'il y a une obsession qui change. C'est à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui te drop une palette, elle devient l'obsession et, à chaque... et du coup ça change. Oui, mais il peut y avoir d'autres raisons de changer l'obsession. Oui, mais. Mais voilà, mais en tout cas, dès que quelqu'un devient l'obsession, t'as le. Par contre, le seul truc que je comprends pas, c'est inconscient. Il n'entend pas son rayon de terreur pendant 40 secondes. C'est quoi? C'est. Ah oui, donc c'est ça, c'est Oblivious là. Je suis juste de sélectionner le serveur public test. Après, je vais l'installer. Peut-être, mets-toi prêt. J'avoue, c'est bien faire. Ouais, je m'en fous pour le moment de la toile, monsieur. Du coup, tactique de Zanchin. On le prononce comme ça. Débloque non. Le potentiel de repérage d'aura d'une personne. Vous faites preuve de vigilance et restez attentif aux zones clés du champ de bataille. Vous voyez l'aura de l'ensemble des palettes et des emplacements de sauts d'obstacles dans un rayon de 24 mètres. Quand un survivant est blessé, cette compétence devient inactive pendant 40 secondes. Et son histoire, il y aura une vidéo qui sera faite dessus. Yes. Pour ça, on va pas s'attarder sur l'histoire sur le live, mais il y aura l'histoire de ce nouveau tueur qui arrivera sur la chaîne bientôt. Du coup, ouais, c'est juste du coup, tu vois l'aura des palettes et des emplacements de sauts d'obstacles dans un rayon de 24 mètres. Pourquoi ouais, pas moi, et le Mento, bah, dès que Kosu aura Soon. Et écho sanguin, l'agonie d'un survivant est infligée aux autres. Lorsque vous suspendez un survivant, tous les survivants blessés souffrent de l'effet de statut hémorragie jusqu'à ce qu'ils soient soignés et de l'effet de statut épuisement pendant 45 secondes. Hémorragie, c'est... Bah... C'est juste qu'ils saignent plus. Bah oui. Ça me paraît bizarre, en fait. Est-ce qu'on est d'accord que là, au niveau des percs, on n'est pas sur un truc officiel, non? La première, c'était quoi déjà? Ah, les palettes, ouais. Ouais. Bah, ça en soi, si je la trouve bizarre par contre. Ça, par contre, celle-là, je la trouve. J'annule ma recherche de partie, je vais passer sur le survivant. Parce qu'on n'a pas regardé ses perks. C'est moi qui vais faire la partie survivant. De quoi? C'est moi qui vais faire la partie survivant, donc on met après. Oui, mais non, parce que là, on va partir en fait en... pour voir le même ennemi directement. Et d'ailleurs, on va partir faire le memento. Non, on va d'abord lire le survivant vite fait. Non mais non, go memento. Tu veux direct le memento? Bah oui. Ok, bah parfait. Tout le monde attend ça là, tout le monde attend que ça là. Hop. Je serai le tueur, Kosu sera le survivant. Voilà. Tu m'as invité? Oh, c'est Toy. Non, je t'ai pas invité. Bah je t'invite alors. Et tu peux me rejoindre. T'es pas là en fait. Bah je t'ai invité. Ah mais, d'accord, c'est que tu t'appelles Collins Kosuke. Faut que je me rename. Pourquoi on est deux survivants? Bah change. Quoi? Change. Mais si t'es en tueur. Mais si t'es invité. Ok. Équipement. Par contre, elle a un sérieux strabisme. Hein. Non, c'est pas ça qu'il me faut. Hop, on y goes. Elle est toute nue, dada. Bon, y'a deux trucs, mais je trouve qu'elle a un strabisme. Ah ouais? Ben ouais. Je sais pas si ouais, c'est moi, mais. Bizarrement. Elle a un regard bizarre. Regarde vite fait ses perks tant que tu y es. Attends deux secondes. Et on fait le memento tout de suite dès que t'as fini les perks. Et la map. Sanctuaire du Kourou. Vous voulez regarder ses perks du coup? Allez, c'est parti. Alors, coup de chance. Vous avez encaissé votre lot de coups et de bleus, mais la chance a toujours été de votre côté. Quand coup de chance s'active quand vous êtes blessé, vous ne laissez pas de traces de sang pendant un total de 180 secondes. Une fois cette durée écoulée, coup de chance est désactivé de manière permanente pour le reste de la partie. Ouais. Quand tu fais pas de sang. Blessé la première fois, tu fais pas de sang. Pendant 3 minutes. C'est pas dégueu. Bof. Par tous les moyens, vous vous battez pour vous-même, utilisant tout ce qui vous passe par la main pour avoir l'avantage. Appuyez et maintenez le bouton de capacité active pendant 3 secondes à côté d'une palette lâchée. Oh putain! What the oui, fuck oui, oui, ça on veut! On peut redresser oh les palettes. Dieu. Putain.
Ça, c'est ce qui nous manquait. Oh mon dieu. En gros, le tueur ne nique pas les palettes instantanément. Bim. Ah bah là, t'as intérêt à casser les palettes maintenant. Donc là, t'as un mec qui fait tourner le tueur. Et t'as la petite fourbe là derrière qui arrive et qui fait hop, la palette, elle est debout. Ouais, bon, c'est vrai, c'est toutes les deux minutes. Mais. Ouais, mais ça peut quand même. Allez, c'est beau ça. Oh my god. Bon, bah ça, c'est fait, hein, voilà. La troisième, vous invoquez une moto et vous foncez sur le tueur. Fugue, du coup ça va être à mon avis une compétence de course. Quand quelqu'un a des problèmes, vous vous donnez à fond et vous poussez les autres à surmonter les obstacles. À 6 mètres maximum d'un survivant transporté, vous bénéficiez de l'effet de statut rapidité. Votre vitesse de mouvement augmente de 7% et la vitesse de gigotement du survivant transporté augmente de 20%. Les gars, là on a deux percs. Celle-là, elle va permettre de faire des chases beaucoup plus intéressantes et de pouvoir bodyblock. Enfin, ça va être... Ah, là, les gens qui vont être toxiques, ils vont jouer que ce perso. Enfin, cette perque-là, la troisième... Ouais, c'est pour bodyblock, en fait. Parce que du coup, la personne, elle gigote plus vite pour s'échapper. Et... Enfin, c'est trop bien, quoi. C'est sa compétence de teamplay de ouf, celle-là, la dernière-là. Du coup... Hyper intéressante. C'est parti. Je vais Memento Kosu. Avant, je vais juste essayer de taper un ou deux coups, histoire de voir un petit peu ce que c'est, ce nouveau tueur. Normalement, Kosu a mis la map. Mmh. Mets les perses pour voir Kosu. Bah du coup, j'ai pas mis, mais on se fout. Là, on s'en rendra pas compte de toute façon, donc... Après, je vais jouer en normal, en survivant, et du coup, là, on pourra s'en rendre compte, parce que je vais la monter. De la map, je pense... Ça va être simple, vous mettez map si vous voulez d'abord qu'on visite la map, ou vous mettez memento si vous voulez qu'on teste d'abord le memento, en sachant qu'on fera les deux. En gros, si... Soit on fait l'un d'abord, soit on fait l'autre. Nerf coming soon, on verra. Dites-nous ce que vous voulez voir en premier. Merci beaucoup, Contact. Bon, j'avoue que ça fait longtemps que j'avais pas fait de don. En tout cas, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Mais merci beaucoup. Merci beaucoup, Contact. Et bah écoute. Merci beaucoup. Ah, il y a beaucoup de maps, je pensais pas. On est plutôt hypé aussi là. Je vais pas te mentir, on est plutôt hypé. Bon, bah ça sera d'abord un petit tour de la map et ensuite le memento. Il y a trop de maps. Ah là, ouais, les gens veulent voir la map. Ah, on fait un petit tour rapidos de la on map. Fait un petit et puis, tour voilà. Du coup. En tueur, parce que c'est au moins ça. On voit la belle arme du tueur. Et j'espère que je passerai en machin bizarre là. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. C'est très hype, hein, je vous le dis. C'est très hype. Oh, qu'il est gros. Il est imposant. Ouais, petite dame, j'aime bien sa tenue. Elle est vraiment en mode Jap à fond, quoi. Elle est belle. Ok, donc je tends la main. Oh, regarde, c'est ce qu'il y a dans le... Absorbé. Okay. C'est ce qu'il y a dans l'écran d'accueil. La petite ah, il y en a plein, il y en a plein, il y a une armée de petits mais messieurs. Ouais, on se croirait sur l'île de Pâques. Par contre, des fois, ils ont un petit peu des têtes bizarres. Chelou. Oh, la main... Oh, la cave. La cave, elle est... Il y a, là, un y a une gros fenêtre, bâtiment là. Central. Ouais. Oh, un gros temple en haut. Ouais. Puis il y a des fenêtres. Hein. Ouloulou, il y a des trucs de loup. Il y a un monsieur sans tête, t'es où? T'es là, attends. Salut. Mon dieu. Oh la musique! Tu l'entends ou pas? Je sais pas si on a la même, une musique de speed un peu. Ouais mais avec en mode jap quoi. Ouais. C'est quoi ça le absorber? Bah c'est... Mais il faut que tu me tapes en fait. Voilà et là... Oh! Ah mais du coup... Ah ok, faut quand t'es blessé en fait ça marche. Ah mais attends. Non, ah voilà. Quand tu cours ça me... Non c'est pas quand je cours, c'est juste que... Tant que je suis blessé à intervalles réguliers tu vas choper des petites bouboules en fait. Attends, laisse traîner par terre en fait des bouboules. Oui, c'est ça. Mais je t'ai dit, coup, à intervalle. Je sais où t'es passé exactement, encore mieux qu'avant. Ben. Redonne des bouboules. Ouais. Je veux devenir un énorme monsieur. J'avoue, par contre, ça pour la poursuite, ça va pas être drôle, hein. Ah bah, ça va être chaud, ouais. Ah, attends, Kosu, viens me regarder au milieu du temple. On va mettre ton écran. Parce que je pense que là. C'est dure combien de temps ce machin? Ah, ça dure longtemps quand même, hein! Oh mon dieu! Waouh, vous avez pas vu de mon côté! Ah, mais en plus, hein. Il change d'arme! Regarde! Il change d'arme en plus! Quand il est en rage! Fuck. Ruée démoniaque, attends! Ok, ouais, bon, par contre, faut What? Que tu. Le mec, c'est un trousseau-man en fait. Il faut que tu le fasses. Attends, mais je vais me relever moi. Ok, d'accord, je vais me relever. C'est plus fort que moi, mais.
Oh mon dieu! Oh mon dieu! Oh mon dieu! Est-ce que j'étais prêt pour ça? Je ne crois pas! Je ne crois pas! Il lui arrache quoi? La langue? La langue, la langue ou tout? C'est peut-être ça du coup le bug, parce qu'elle crie alors qu'elle a plus de langue. Ah oui, peut-être. Bah oui, parce que elle a poussé un bon cri alors qu'elle n'a plus de langue. Par contre, on va relancer pour retester la map ou est-ce qu'on se lance? Ouais, on va revisiter un peu la map. Oui, parce que là on peut vraiment dire que je l'ai visité. Oh mon dieu, c'est violent, hein. C'est vraiment hardcore violent. Hein. Oh, what the fuck? J'aime. On voit les sadiques. Merci beaucoup Lionsolove, je ne sais plus. Non, non. Merci beaucoup Lionsolove pour les 9 mois de subprime. Est-ce qu'il y a toujours la map? Oui. Prêt. Bonsoir, de retour enfin sur mon live. Je suis hype par ce nouveau chapitre et j'ai fini de quoi? Ah, ton livre. Bref, continuez comme ça, vous ne changez rien. Merci beaucoup. Merci. Ouais, c'était violent là. Hein. Mais je kiffe. Hein. Ah, les objets roses, le truc c'est que pour le moment ça nous indique pas trop parce qu'on connaît pas encore assez de tueurs donc on comprendra pas forcément direct ce que c'est. Mais on les regardera, ouais. De quoi? Les objets roses. Ah oui. Ils nous disent ce qu'il y en a, c'est quand vous loupez ceci, fait crier tous les ennemis. Mais on sait pas exactement encore ce que c'est le truc qu'on loupe. Donc le memento, il est beau. Moi je regarderai ça après quand même. C'est important les add-ons. Oui, mais faut avoir essayé un peu. Là maintenant on peut, mais avant ils disaient ouais, quand vous loupez fureur démoniaque machin chose. Oui, bah oui, bah c'est l'attaque où tu tapes avec ton machin. Oui. Attends, je vais repasser hein, parce que c'était quand même bien stylé mon ma tronçonneuse là. Je vais voir la distance qu'elle peut faire. Du coup, au passage, on découvre la map. Bah après, je pense que... Ah si, attends, attends. Il y a les petits trucs habituels. Et merci beaucoup, Chris Blast, pour les 25 bits. Merci beaucoup. Donc et après, ça reste la map habituelle. Quelle enflure. Regardez-les. Ouais, non, y a pas après de gros changements, c'est assez banal entre guillemets, c'est-à-dire que c'est la map de Yamaoka juste avec le temple au milieu quoi. Le temple est sympa, bien sous-sol au temple, enfin ça là, non, j'avais l'impression. Non, y a pas de rez-de-chaussée, c'est juste... Ah attends, si. Ah bah il y a la cave là. Ouais, j'avais eu la cave tout à l'heure ici aussi. Waouh. Et les petits cabanons mais qui ont l'air plus grands que... Non, je crois pas justement. Je sais pas, non, ils sont peut-être pas plus grands, mais. Mais qu'est-ce qu'il fait? J'avais pas pensé que ça allait déclencher le endgame. T'es où, Kozu? Bah, je suis en plein milieu là. J'arrive en milieu, dans le temple. Vas-y, viens au temple. Merde, j'avais pas pensé que le endgame allait être déclenché, je suis con des fois. Hein. J'absorbe. Ah là, l'atterrissage équilibré sur ce map, il va être bien aussi. Hein. Enfin, même si apparemment l'atterrissage équilibré va être nerf. Ah ouais? Ce qui est un peu le rip, ouais. Attention, je passe en gros méchant. Contrôle. Oh, le bruit que ça fait. Alors, ruée démoniaque. Attends, attends, je me mets en ligne droite devant toi et regarde si tu peux me taper dessus. Trop tard, merde. J'étais parti. Ah, tu peux quand même changer de direction, hein. Oh, mais surtout que ça m'arrête pas, les obstacles. Ah! What the fuck? Mais j'ai pas de limite. Bah, la limite, c'est ton pouvoir, quoi. Mais mec, je fais un tour de map. Et ça fait quoi quand tu l'arrêtes? Ah, et en plus, tu peux taper quasiment instantanément? Ouais, ouais. Il suffit de lâcher le bouton et tu t'arrêtes. Attends, regarde si tu peux me foncer dedans, ce que ça fait. Ça fait rien, je pense. T'es où? Bah, je suis vers une porte, là. Là, je suis là. C'est où là? Bah derrière toi. Enfin... Non mais où tu vas? Tu vas à l'opposé de moi. Quoi? C'est Nathan qui m'indique. On va Kosu, tu vas décéder. Ah bah super. Attends, je suis désolé, je fais ça pour le plaisir des yeux. Il est super vénère. Ah oui, j'avoue, c'est pas logique, ouais. Mais en soi, tu peux quand même crier même si t'as plus de langue, non? Ça prend pas ce bruit.
Je sais pas. Oh là là, ce memento de ouf. Ah ouais, ce serait peut-être nerf ça. Bah, je pense qu'il y aura une durée parce que. En enfin, vrai, là, Clint, c'est pété de pouvoir courir et tout quoi. Bah, Clint, il pouvait legit courir pendant 30 secondes et quand tu cancels la course, tu peux quasiment instantanément non, mettre du coup, un coup. Tu peux quoi. Pas taper normalement par contre, tu fais des énormes coups. Ah oui, c'est vrai. Pouvoir. Du coup, tu peux pas non plus t'arrêter et taper instant, c'est quand même un peu plus long. Ouais. Tu peux crier sans langue, mais tu ne peux pas parler et faire différents. Oui, voilà, sons. C'est ça, Inky. Ouais, du coup, ça me surprend pas. Merci beaucoup, Mélissa. Le sub-anniversaire qui passe. Oh, et oui, bien sûr, toujours un plaisir. Merci beaucoup, Mélissa. Merci beaucoup. Je te fais ton post-it et celui aussi de, bah, de Lionceau, que je n'ai pas encore fait. C'est vrai que j'avais bien fait d'économiser mes points sans même le savoir. En fait, j'en ai pas mal tout aussi. Déjà d'avance. C'est pour ça que je ne passais pas mes points, c'est faux. Je vais tag en tueur pendant que Kossou tag en survie. Yes. Et Coucou Marilou. Bon du coup on s'était chié. Enfin non, en vrai on avait dit en live la théorie de l'ONI, mais on l'avait écarté pour le père et au final bah voilà. Agréablement surpris. Le memento en vision survivant c'est le même. Ouais. Oui oui c'est la même chose. C'est pour ça que j'ai laissé le... A l'époque c'était pas le cas, sur la nurse et tout c'est pas la même vision je crois. Sur la nurse, sur Hillbilly, etc. Mais pour nous, pour là, pour les nouveaux, oui. Enfin, depuis un petit moment maintenant. Alors, jouer en survivant. On va monter notre petite. Qu'est-ce qu'on voulait regarder? Ah oui, si, on voulait quand même regarder, j'ai regardé vite fait. Les add-ons du monsieur. J'ai oublié de la regarder. Ouais, je te laisse regarder ça, moi je suis en tag pour le moment. Tous les points mis sur le PTB restent sur le live. De quoi ? Tout ce qui se passe sur le PTB reste sur le PTB. C'est comme si c'était un nouveau jeu. Donc, tout ce que vous faites sur le PTB, c'est que sur le PTB. Si c'était ça la question. Alors, petit accessoire rose du monsieur. Un blason qui indique que son porteur appartient à la famille Yamaoka. Tant que Fureur Sanglante est active, ratez un coup démoniaque. Donc, c'est l'attaque où il fait des gros coups de massue, là, de batte, là. Ratez un coup démoniaque fera crier tous les survivants dans un rayon de 12 mètres et vous révélera leur position actuelle. En vrai, c'est pas mal. Mais bon, logiquement, quand tu fais le coup où tu tapes, c'est parce que tu sais où est la personne. Enfin, ou bah justement, tu t'en sers pour détecter les gens. Ouais, ou tu t'en sers pour détecter les gens à la limite. Ouais, pourquoi pas. Faut voir le temps de récupération qu'il a le truc où tu tapes par terre parce que si c'est vénère. Ensuite, gland sanglant de Renjiro. Le gant de Renjiro maintenant. Tenait son sternum après avoir été frappé par son fils. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il y a un truc dégueulasse dans cette phrase. Tous les survivants peuvent voir les orbes de sang. T'avais mis ça ? De quoi ? T'avais mis ça ? Non. D'accord. Non. Ok. Parce que moi, je les voyais, les orbes de sang. Enfin, je les voyais peut-être au moment où je les faisais, mais pas après. Tous les survivants. Sous-entendu, d'habitude, t'as pas tous les survivants, mais tu as le survivant qui a lâché l'orbe. Non, faut que je la refasse ou pas ? Bah, je vois ce que tu veux dire, mais oui, bah voilà. Je voyais les miennes, quoi. Bah oui, bah tu voyais les tiennes. Et si jamais il y a ce truc, c'est tous les survivants qui voient, et pas seulement celui qui a lâché l'orbe. Ok. Bah, je vois que ça, en fait, si tu voyais les tiennes, du coup. Je sais pas, peut-être. Ok, et du coup, l'aura d'un survivant est révélée pendant 6 secondes quand il entre en contact avec un orbe de sang. Ok, bon bah en gros, on sait que quand on voit les orbes de sang, faut faire gaffe, quoi. Ensuite, les autres trucs, ça fait quoi ? Augmente considérablement la vitesse de mouvement de ruée démoniaque. Bien sûr, comme s'il en avait vraiment besoin. Ouais, mon quoi. Dieu ! Le truc, ça déjà hyper vite. Ça va être chaud patate. Augmente modérément les quantités d'orbes de sang lâchées par les survivants. Ça, c'est pas mal. Hein. Franchement, ça va être un truc très bien, je pense. La durée et la pénalité de consommation de fureur sanglante en ramassant un survivant. Ah, tu prends une pénalité quand tu ramasses un survivant ? D'accord. Chignon scalpé, c'est immonde, hein. C'est vraiment immonde. Augmente concernant la vitesse de charge d'activation pour lancer ruée démoniaque. Ah, ok, ça c'est pas mal ça. Ça c'est pas mal du tout ce truc. Augmente légèrement la quantité d'orbes de sang lâchées par les survivants. Augmente légèrement la vitesse de mouvement de ruée démoniaque. Vitesse de recharge passive. Durée de fureur sanglante. Ouais, bon après c'est un peu, voilà, c'est un peu tous ces trucs là. Mais ok, du coup on a vu. Du coup voilà. Et la survivante, du coup, bah, en fait, on va aller jouer en survivant de notre côté. Le temps ouais, que Collins tueur, trouve. Que ça tag. Du coup, mes parties risquent d'être coupées avant la fin. Si Collins tag avant que j'ai fini, mais... Ah, du coup, ouais, dès que je tag, si c'est vraiment plus long en tueur, dès que je tag... Et ouais, il y a une nouvelle map, du coup. C'est une refonte de la map de Rin. Exactement.
Ils sont rachetables avec des points en jeu. C'est possible. Et du coup, juste hop. Il n'y a pas de skin pour l'instant, X-Ray, c'est sûr. Il n'y a jamais de skin pour les tueurs et les survivants, les nouveaux survivants, quand c'est sur le PTB. C'est lesquels, c'est perks à lui du coup? Lui, juré. On va avoir celui-ci, tactique de Vanchin. Par contre, les gars, c'est perk. Il faut que je la par contre, parce que sinon ça va être de la merde. Mettre un terrain hanté pour le fun. Mais pouvoir relever les palettes, les gars, les tueurs n'ont qu'à bien se tenir. Hein. Ils ont intérêt. Attends, anyone else plotting? Le mec il dit est-ce que vous êtes prêts à faire des. En gros, je sais pas comment dire. Des actions coop quoi. Non, mais non, mais oui, merci non, Collins. Non, mais des actions coop dans le sens, est-ce que vous êtes prêts à. Saboter les crochets. Oui. Et avec la perque où tu peux machin. Ensemble en tant que survivant pour. Oui oui mais en mode c'est plus en mode comploté quoi genre oui. en mode sale toxique quoi. Oui non fait une action coop pas le truc faire des actions coop pendant 180 secondes. Quand même. Salut Dims. C'est ce que je sous-entendais. Des gros trolls quoi ouais c'est ça. Hein. Vous pouvez faire un petit récap. Nouveau tueur avec des perks, je les moyenne. Dirais comme pas ouf. Et nouveau survivant avec deux perks plutôt pas dégueu. Et bon, le tueur a l'air juste. De toute façon, je vous ferai une vidéo récap pas demain, mais sûrement après-demain. Yep. Je pense. Et il y aura aussi l'histoire du coup de. Sans doute tueur et survivant du coup. Oui. Qui seront ce week-end. Dans le week-end, ouais. J'avoue qu'il y a un petit côté Kate. C'est plus sur, sur toi. Hein. Pourquoi? C'était mon écran qu'on voyait. Non mais, je vais remettre mon écran jusqu'à ce qu'il repète un plomb mon truc, mais regardez comme c'est beau. Il est vraiment stylé quand il devient fou là et qu'il prend son, son marteau. Bah le nouveau tueur, Loni, il est vraiment énorme. Ah, Kosu a tag. Non, non. Non. J'étais déjà en tag en fait. Ah, et ça fait quoi? Bah il manque un survivant parce qu'il y en a un qui a du livre ou je sais pas. Ah, et du coup ça buguait. Et il y aura l'histoire de, du coup à survivant et tueur ce week-end et un petit récap du coup de après-demain sur, sur la chaîne. C'est pas un marteau, c'est un gourdin. Je suis sûr que tu peux mettre des clous avec un gourdin quand même. Youhou! Donc ça peut servir de marteau. Bonjour! L'armée de. Yay! L'armée des vilaines mégères. On va continuer à passer les points en attendant. C'est un ancêtre de Rin, le nouveau tueur. Bah, on suppose, du coup. Mais comme on n'arrive pas de vous le dire, on va. On va mettre troisième. Ah oui, j'ai pas une troisième perque, je suis un peu con. On vous fera le... l'histoire et tout, je vous ferai l'histoire en vidéo parce que j'aime bien me poser pour le faire. Ok, j'ai plus le temps. La game de Kosu peut être. Abandonnée à tout moment si je tag. Mais je pense que ça va être très long pour taguer tueur. Je l'ai mis la perk palette. What's the fugue? Fugue, c'est que en gros, quand tu es proche de quelqu'un qui se fait porter sur l'épaule du tueur, tu vas 7% plus rapidement et le survivant qui est sur l'épaule gigote 20% plus efficacement. Du coup, c'est vraiment sympa si tu. Si t'as pour but de. Si t'as une flash, même si tu libères pas le survivant, parce que bon, le but de cette flash c'est de libérer, mais si tu fais, si t'arrives à faire perdre du temps au survivant, vu, au tueur, vu que le survivant gigote plus vite, etc., et que tu mets un petit coup de body block à la fin, voire de sabotage de crochet, ça je pense que ça va être le pire. Le sabotage de crochet avec cette perque, ça va revenir à la mode, un truc de fou. C'est toutes les mêmes. C'est bizarre, le truc il est rose dans notre dos. Alors que tout à l'heure il était doré. Ah.
Wow, sa maman. Je l'avais pas vu, il fait pas beaucoup de bruit, hein. Ah ouais. Mais vas-y, là. Il est en train de sucer tout mon sang, là. Connard. Mais non, mais il est en train de me farmer, en fait. Bah oui, c'est le but. Mais non. Ah là, il va pas te lâcher. Mais il peut me farmer à travers les murs. On n'entend pas ton son, Kossou. Si, si. Ah. Là, on m'entend. Il était pas très bas. Il était pas très haut. Ouais, souris, souris, les gens. J'avais baissé pour Pokémon. Non, c'était pas pour Pokémon, c'était pour... Il peut farmer ses petites bouboules de sang là à travers les murs, c'est hardcore. Tu peux pas l'attendre, enfin si tu l'attends tu vas lui donner sa phase en fait. Ah bah ouais, clairement ouais. Du coup ouais, ça t'oblige à pas... Ouais c'est... Ah il revient, il me tunnel. Ça c'est vraiment, c'est pas parce qu'il y a un nouveau tueur que... Alors c'est possible que pour le moment ce soit les mêmes. Mon dieu, il m'a vu. Oh mes aïeux. Mes aïeux. Vous savez que il y a 40 ans là en 10 minutes. Tellement stylé là tout en blanc. Oh tout en rouge. Dans la tête ça. Ça. Faut que t'as un collègue qui vienne la relever. Bah je pense que j'ai pas trop laissé l'opportunité au collègue là. Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Wow. Pardon, excuse-moi. Panique. Regardez-moi ça comme c'est stylé. Oh my god. C'est tellement la vie. C'est tellement la vie, ce perc. Oh mon dieu. Tu peux t'en servir, tu fais 2 minutes seulement du coup. Là c'est 1 minute 60, mais oui sinon c'est 1 minute. Mais tu t'imagines si plusieurs personnes l'ont. Toutes les 2 minutes. Ok. Et là j'ai 160 secondes donc c'est plus de 2 minutes là. Ok ouais. Ça fait beaucoup quand même, mais c'est stylé. Oui, c'est une victoire personnelle pour chaque pas être relevé, c'est ça. Écho sanguin, c'est quoi déjà ça? Je sais plus. En tout cas, pour le moment, c'est validé, hein, cette petite perque. Et le PTB, c'est le serveur de test qui est accessible sur PC. Du coup, avant que les mises à jour sortent, il y a ça qui est accessible. Pour pouvoir tester, et ça permet aux devs de voir s'il y a des bugs, voir ce qui plaît, voir ce qui va pas au niveau équilibrage, etc. Mets-toi sous la palette, idiota! Pour le moment, le nouveau tueur l'a pas encore joué en game. Mais il a l'air pas dégueu du tout. Il m'en souhaite. Oh putain! Ah, il y a un livre! Il y en a un qui est libre. Et oui, la nouvelle survivante a la voix de mec. Comme souvent, je crois, les nouvelles survivantes sur le côté. D'ailleurs, comme d'habitude, quand le jeu sortira, enfin quand le DLC sortira vraiment, on en aura une dizaine à vous faire gagner du coup pour vingtaine. De quoi? Une vingtaine. Bah oui. Ah oui, une vingtaine, exact. On aura une vingtaine à vous faire gagner pour PC. Ouais, j'ai la perk Body Block, ouais. C'est avec la moto. Mais c'est ça le bug. Bah c'est que c'est Meg en fait là que j'entends là. Oui c'est ce qui est dit mais c'est pas forcément. Ah oui. Ils ont peut-être juste pas encore mis ou... Oui non mais oui merci Colin mais... Oui mais voilà mais, du coup c'est pas du mais je captais pas ce que... Pourquoi tout le monde parlait de bug ou de... Ouais c'est que c'est pas encore la bonne. J'avais pas compris que c'était ça. Après il est possible que... Ils aient pas encore fini tous les sons simplement. Ah oui. Le body block contre l'Oni est ultra punitif. Punitif pour qui? Pour les survivants? Je pense pas plus qu'un autre en soi. Hein.
Waouh, le bruit que ça a fait, les gars, alors qu'il y a l'autre bout de la map. Ah, c'est hardcore les bruits qu'il fait, hein. Relevage de palette. Ah ouais, j'avoue, je peux relever une palette, les gars. Attendez, on finit le générateur quand même, c'est important. Mais non, on aura que des clés pour PC. Pas forcément Milo. Enfin, ça dépend de ses skins, en fait. Collins, tu mets quand t'es vraiment dans la game. Ouais, ouais. Pour info, je vais jouer contre... devinez quoi, 4 nouvelles survivantes, dis donc. Elles s'appellent comment, déjà? Yui, je crois. Yui Kimura. Kimura. Je sais pas comment on dit exactement, mais... Ok. Bonsoir madame. Tu te soignes déjà? Kimura pour la prononciation. Ouais, c'est mieux effectivement. C'est comment? K-I-M-U-R-A? Ouais. J'aurai jamais le temps. Wow, le mec m'a vu arriver mais à 10 000 à l'heure quoi, genre Et on sait pas à quel prix il sera, mais je pense que ce sera comme d'habitude à 7 ou 8 euros. Comme la plupart. Ok bah salut hein, adieu. Tu t'es pris un coup. Mais non. Son arme c'est un katana et quand il est en rage c'est ce gourdin là. T'es mort là? Non. Ah si. Si si si. C'est le décès. Et bah on enchaîne plutôt pas mal hein. Parce que du coup... Les gars, vous dites remonte une palette, il n'y avait pas de palette PC sur la map. Comment voulez-vous que je remonte une palette? Je sais jouer hein. Mais déjà je tiens à vous féliciter parce que pour le moment il n'y a personne qui a crié que le nouveau tueur était pété. Oh le tueur il est pété. Pardon. On a pas encore joué mais il est pété. Et du coup ça fait plaisir. On refera un petit tour des perks, etc. Principe après la game. Pété. En vrai, c'est le principe. Vous êtes les pires. Mais. Ouais, non, c'est le principe du PTB. Si, c'est pour faire les équilibrages. Ah, ça me manquait le fait que tout le monde râle sur le nouveau tueur parce qu'il est trop fort. Merci. Il est trop pété. J'avoue que. Comment tu fais? Bah, tu baisses la palette et tu la relèves, connard. Il n'y avait pas le connard dans l'explication, mais je trouve que ça sonnait. Ah oui, je pouvais baisser la palette, mais je voulais pas le faire comme ça. Par contre, les survivants en bonne santé lâchent une plus grande quantité d'orbes de sang. Quand quoi? Hein? Bah, je sais pas. Quand vous les blessez. Ah, quand tu donnes le premier coup, en gros, il va lâcher plus de sang. Ok. Les survivants blessés lâchent lentement des orbes de sang au fil du temps quand ils effectuent certaines actions comme un saut d'obstacle. Ok. C'est bien, le jeu, il m'apprend à jouer le tueur que je joue dans 3 secondes. Très aimable au jeu. Oula, qu'est-ce que ça va donner sur cette map? Oh, ça va être pas mal sur avec le contrôle de... Ok, allez. Nique ta grand-mère! Cordialement! Oh... Bon bah, repart en survie. Oui. Ah oh là là. Bon bah, je me suis remis prêt. Je suis deg. J'ai attendu 15 minutes de tag. Je sais pas s'il va passer comme ça, il devrait mettre le tueur en prio sur la fibre. Ah! En gros, si tu t'es fait dodge... Si tu viens de te faire déco, ça te relance une game auto et ça te met en premier quoi sur la file de recherche. Parce que là, au final, pour un mec calibre, je me retrouve à attendre un quart d'heure plus. Les Kimura, c'est mes voisins. Bah fais gaffe, hein. Prends garde à toi. C'est parce que le tueur est coupé. Oh là là. Jamais le temps. Bah du coup j'ai 4 emplacements et j'en ai 3 maintenant. Petit à petit je rajoute une perque, voilà.
Les perks sont sympas côté tueur et survivant. Alors côté survivant, il y en a deux qui sont vraiment cool et qui vont potentiellement apporter de nouvelles mécaniques qui sont sympas, notamment le fait de relever les palettes quand elles sont pas cassées évidemment. Et côté tueur, c'est un peu caca niveau perk. Niveau tueur, ouais, je l'ai. C'est pas ouf quoi. Enfin, ça m'a pas remplacé... transcendé quand je les ai lus. En fait, j'irais pas remplacer une perk que j'ai déjà pour une de nouvelle, mais. Oui, c'est sûr, Ever. Non, mais c'est sûr, en vrai, je pourrais la baisser moi-même et la remonter, mais je ne pense pas trop faire ça. Elle s'appelle comment, la nouvelle survivante? Elle s'appelle... Yui... Kimura. Tout à fait. Je le savais, je le laissais trouver. Évidemment. Pas de soucis avec elle. Je vais vous baisser une palette. Bah, est-ce que tu ne gardes pas plutôt le pouvoir pour une palette qui sera utile à relever plutôt que de le faire sur une palette inutile? On s'en fout. Oh, Sanctuaire du Kourou. Nous sommes sur la nouvelle map. Le jeu et tout. Moi, j'ai des gens qui... Du coup, quand cette survivante meurt, on peut dire que c'est Yui qui mourra. Je valide. Je crois que je l'ai déjà lu 10 fois dans le chat, mais c'est pas grave. Je valide. C'est ça que je voulais faire. Il arrive en plus, j'en rappelle tant. Tu relèves. Vas-y, relève là et retombe là. Putain, le troll. Oh là là. La palette gold avec cette perk s'est pété de ouf tellement. Ouais, bah le mec il a intérêt à la baisser, hein. Enfin, à la casser, je veux dire. Ouais. Regarde, tu chies des boules de sang un peu. Ouais, je vois ça. Bon, moi, en attendant... Euh, 120 secondes quand la perque est niveau 3, Bella. T'es horrible, Bozo. Vous sentez les gameplay cancer qui arrivent? Bah, en vrai, je sais pas. Moi, franchement, je commence à jouer de plus en plus toxique maintenant sur des BD. Enfin, j'essaye d'apprendre à jouer toxique. Vous verrez dans la... Bah, du coup, je sais pas comment elle va sortir cette vidéo que j'ai tournée aujourd'hui, en fait, parce qu'il y a trop de choses qui vont sortir prochainement qui sont mieux que ça. Mais j'ai fait Rashkit un tueur dans ma dernière vidéo, là. Celle que j'ai tournée ce matin. Qui n'est pas sortie, du coup, encore. Du coup, bon, je sais pas quand elle sortira cette vidéo, mais qu'est-ce que je fais là? Celle que j'ai tournée ce matin. Ah bah là, ouais, du coup, ça va la reporter. Hein. Ah bah là, oui. Ça va reporter un peu la vidéo. Au pire, il y en aura deux un jour. C'est ce que j'ai à dire. Du coup, voilà, j'essaie de devenir un petit peu toxique parce que j'estime que. Bah, t'es obligé en fait. Sorry, madame. T'es un peu obligé d'être toxique en fait parce que les tueurs te respectent pas, donc autant après, pas les respecter. Toxique pour être chiant et toxique pour arriver à tes fins. Moi je parle de toxique pour arriver à mes fins, je veux pas l'intérêt sinon. Donc, oui bah oui, mais voilà, c'est pour ça. Mais quand je dis toxique, c'est genre vraiment faire exprès de flash tout le temps quoi. Après vous savez pas comment j'ai fait rage kick le tueur. Donc je vous ai spoil mais à moitié. Et non du coup ça n'a rien du tout à voir avec Rin Yamaoka. Hein. C'est Yui Kimura, donc RAV. Ouais, j'avoue, Ishard. Qu'est-ce qu'elle a, elle? Ah, elle veut baisser la palette. Attends. Il me reste un peu de temps, madame. Je peux pas, là. Pourquoi elle... Et hop là! Ça fait pas de points, par contre, les gars. Vous avez plané, hein. Ça fait pas de points de remonter la palette? Non. C'est un peu triste ça. J'adore parce que pendant que tu la relevais, t'avais l'autre survivante qui te regardait en hochant la tête en mode oh, c'est pas mal ça. Whoopsie Daisy! En vrai, je m'attendais vraiment pas à un tueur de ce genre. Quoi? Je t'avoue. Quoi? Non, non et non!
Ça m'énerve. Insulte une grand-mère, ça y est. Trop tôt, mais oui, trop tôt, je suis trop deg. C'était quoi, Kossou, en gros? Palette. Palette. Attends. Palette stun sauver quelqu'un. Mais qui a pas sauvé quelqu'un parce que j'ai pas réussi. Ok, j'arrive. Colis a renversé son verre de coca. Pardon pour les oreilles. J'ai eu peur. C'est l'olive. You. Bah si. Ah. Il y a eu le bruit du bois sur sa tronche. Non mais en plus il se l'est pris le stun. Et il y a eu, j'ai eu les points et tout. C'est juste que si tu le fais pas passer un certain moment de l'animation, en fait ça ne fonctionnera pas. Mais c'est normal hein, c'est à moi d'apprendre le timing. Ça pour le coup quoi, c'est de ma faute de un stun palette pour sauver quelqu'un. Ah c'est un stun le tueur. Bah non. Ah ok, oui ok, j'en comprends. Je l'ai fait, oui. Je l'ai fait trop tôt en fait. Comme d'hab quoi. Le jour où j'arriverai à faire un safe palette où je chatte pas. Oh. Hop, ni vu ni connu, c'est faux, j'ai pas renversé mon verre. Ouais c'est ça, faut attendre le rebond, blablabla, mais c'est chiant. Oh non, il a tunnel. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Il y a eu un écho, je me suis dit. Et bien sûr, bien évidemment, c'est pour ma gueule, hein. Par contre, à mon avis, il y a des loops là dans ce truc là. Ça va être assez insane. Et. Ah, elle a remonté la palette. Bah, t'aurais pu au moins tomber dessous, quitte à la remonter, hein. Je peux rien faire d'ici, j'ai pas de lampe là dans ce game. Ah, elle a le couteau. C'est bien, madame. Je me casse de là, hein. Salut. La map est stylée. Le quoi? Attends, il me revient dessus là? Vraiment cool. J'aime bien ces petites statues cheloues. Ouais, elles sont trop belles. Elles sont mignonnes. Par contre, c'est moi, je vais pas être très mignon bientôt là. Aïe 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 aïe. Ouais, je suis en train de tag en tueur pendant que Kossou joue survivant. Moi, je tag tueur et. Désolé! Tout simplement. Le pouvoir du tueur, en gros, les survivants blessés lâchent des orbes. Comme vous pouvez le voir, des fois, Kossou il fait caca. Mais je sais pas combien de temps elles vont rester sur la map. De quoi? Je sais pas combien de temps elles vont rester sur la map. Les ah, orbes. Je sais pas du tout. Si elles restent genre 5 secondes, 1 seconde, 10 secondes. Et ouais, en gros, le tueur se charge de ses boules et ensuite il passe en. Sous une autre forme un peu plus bourrine où il a un. Il est enragé. Un coup qui one shot, du coup, son coup. Ouais, il a un coup qui one shot et un. Coup qui one shot et un dash infini. Oui. C'est ça, tu chelou, ça va être un nid avec le clofufu. C'est exactement ça. Mais c'est pété. Le catalogue équilibré sur cette map, ça peut être sympa aussi. Après, t'as pas. Si, si, ouais, si, si, t'as ça. Ouais. T'as deux trucs comme ça là, dans la map. Deux petits cabanons là. Ouais. Et en plus, t'as des monticules. Avec le dash, tu one shot aussi. Ah bon? Parce que du coup, on a pas pu le tester ça. Oh, parce que moi, le dash, du coup, je m'arrêtais en lâchant le bouton. Mais peut-être qu'à la fin du dash, tu peux donner un coup qui one shot et ça serait pété de ouf. Ça fait grave penser à celui de Mayer. Ouais, non, du tout. Pour le coup, tu verras en application. Oui, non, rien à voir. Ouais, il y a une nouvelle map. C'est sur celle sur laquelle Kossou est, du coup. Ouais, c'est la map c'est où je suis. Celle de Rin, mais modifiée. Je l'avais pas vu, bordel la queue. Et ouais, pardon, c'est madame. Le survivant. Bon, on va se calmer, hein.
Quoi non 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 non. Oh mon dieu. Il arrive. Ah bah il arrive pas. Vous l'avez vu ou pas dans le fond là-bas? Quelqu'un peut remettre le clip du Memento? Ouais, c'est une paire qui permet de relever une palette. Ouais, 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 ouais. Attends, mais il sait qu'il y a... Ah non, il vient juste voir si le jeune il avance là. Ouais. Je vais vous mettre ceux qui veulent le voir. Memento est bien, bah il est gore, il est plutôt violent à mon goût, genre vraiment très très violent. Il est plutôt bien fou, plutôt bien foutu. Il voit les arbres en surveillance, il me semble. Bah ça par contre faudrait que ça sonne hein, parce que s'il peut vraiment voir à travers toute la map les orbes, ça me paraît un peu trop pété là. Hein. Pourquoi est-ce que tout le monde se déplace comme ça en moonwalk? Quoi déjà? Là qu'on a pas le temps. Hop, et du coup... Ouais, si on colline dès qu'il jouera en tueur, on pourra voir s'il voit les orbes à l'autre bout du monde. Ouais, ouais, ouais. La partie se lance. Un peu Yubels. Sur Discord, je t'envoie le truc du le lien du Memento du clip. On le regarde. Un point d'exclamation Memento. Ok. Et du coup, dans 50 secondes, ma game se lance. On va voir ce que ça donne, mais il y a moyen que ça devienne un de mes tueurs favoris. Avec le dash et tu touches un surveillant, ça fait une animation et tu mets le surveillant en état critique. Ça c'est ouf par contre. Ouh. Oh mais là, il est en fureur là. Hein. Ouais non mais oui. J'ai beaucoup de tueurs favoris, c'est pas faux. Non j'en ai trois. Chasseuse, Spoon, Myers un peu moins et Ghostface. Et peut-être Lonnie. C'est un mec qui... Son truc totalement cheaté là. Non mais c'est pas ça, c'est ça je m'en fous de ça à la limite. Qui court de partout à la limite ça, bon bah voilà mais... Ah t'attends la trappe toi? Non 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 je m'en fous de la trappe, j'attends de voir si les gens s'en sortent. Pierre, tu vas falloir que tu prennes la fuite sur nous, de toute façon vu là-haut, ta barre qui se charge. Quoi? Mais non en fait. Ah, Enculado. Il a one shot. C'est ça? Non non il a pas one shot. Il a okay. Été blessé. Et du coup on passe sur mon écran. Je te laisse faire, je t'ai envoyé sur Discord le truc. C'était la merci fois, beaucoup Krabi pour ton 4ème mois d'abonnement. Rebienvenue. Merci beaucoup. Bien rebienvenue dans la famille. Coucou à toi. Bonsoir bonsoir. C'est quand la première fois qu'on a découvert le Memento. Et tu veux que je la mette en live, ça? Non. Ah, une commande. Exclamation Memento. Ah oui. Et à la limite, tu le rajoutes dans le titre après le point d'exclamation PTB. Et à que coucou ceux qui arrivent. Du coup, ça y est, première vraie game. Je l'espère que personne va live parce que sinon, je sais pas ce que je fais, mais je déprime fortement. Ah! Du coup, c'est parti! La game a commencé. Je suis sur une map, je sais pas si ça va être à mon avantage.
Ah oui, je vois toutes les obstacles, toutes les palettes, tous les machins à proximité. C'est pété de ouf, ça, ce perk. Enfin, quand je dis c'est pété, c'est pas dans le sens pété, nerf, machin. Sauf que ça fait beaucoup de choses à l'écran et je vois même plus les gènes. Mais ça peut servir quand t'es en poursuite. Par contre, je vois plein de survivants. Ils ont juste oublié les survivants dans ma game. Bah Oni, ça veut... c'est juste un démon en japonais en fait. Bonjour. Je t'ai vu partir, madame. C'est pas que ça veut dire démon, c'est vraiment un démon, enfin, japonais quoi. Alors, ça, on prend. Oh, ça, on casse. Oh, ça se remplit tellement vite. Oh, bonjour vous. Merci. Il y a des petites bouboules de partout. Ah ouais, on les voit de loin les bouboules. Hein. Des bouboules. Oh, mais tu les vois pas à travers les obstacles, quoi. Non. Faut que je sois quand même assez proche pour les prendre. Mais ouais, je les vois. Par contre, j'ai l'impression que ça te ralentit pas beaucoup de. De les ramasser, les bouboules. Ouais, non. Wow. Alors. Comment ça marche, Fureur? Boum. Ok, d'accord. Ça a l'air pas mal quand même, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, voilà. Si tu ramasses quelqu'un. Ah, je perds une grande partie de ma phase. Oui. Par contre, j'ai pas. Oh, par contre, il y a des bouboules de partout, regarde. Ouais, mais faut que tu les ramasses vite, non? Bah, j'ai pas l'impression, hein. Regarde. Là, j'en ai. Là, j'en ai. Là, j'en ai. Ah, c'est quel survivant à côté? La quantité qu'il m'en a laissé. Grave. Parce que du coup, ça se stack chaque fois. Enfin, ça en remet à chaque fois. Et du coup, là, si je veux courir, c'est quelle touche? Ah non. Si jamais je vais mettre que la commande Memento, elle est utilisable que par les modos. Comme ça, je mets pas de timer. Laquelle? Memento. Dac. Ou par les subs, voilà. Oui. Les subs peuvent mettre la commande Memento quand ils veulent, il n'y a pas de timer. À partir des subs et modos, etc. Comme ça, ça évite les abus de... Ouais. Voilà quoi, quand quelqu'un la demande, comme ça, vous pouvez et la faire. Mais... Ça reste indéfiniment, j'ai l'impression. Hein. Bah apparemment, mais du coup c'est... Je sais pas, c'est pas mal. Je sais pas en fait. J'sais bah... Pas, mais... J'arrive pas à savoir en fait. Moi ça me va, en tant que tueur, mais... C'est quoi un jaune? C'est des loops, enfin pas des loops, mais c'est des obstacles. Genre c'est les fenêtres, les palettes, etc. J'aurais bien aimé foncer sur quelqu'un, mais jusqu'à présent j'ai pas encore réussi. Madame! Il a un petit dash plutôt sympa en plus. Hein. T'es où, Jackie? Ruée démoniaque. Je suis bourré ou quoi? Ah ouais! Oh là là! Je kiffe ce tueur! Je kiffe ce tueur, bonjour! Ça, je casse? Ah ouais, non mais. Ah si, Rin est toujours là, c'est un nouveau tueur! Oui! Survivant! Survivant? Ah merde, elle est juste là. Ok, je m'éloigne, madame. Je sais pas ce qu'ils me font, les autres. Tu vois les boules de sang à travers les murs quand tu te mets à absorber. Ah bon? Oh! Ah ouais, non, mais madame. Ah ouais, mais attends que j'ai fait deux fois le tour de la map pour venir l'aider. Mais toi là, monsieur. Viens là. Qu'est-ce qu'il t'a fait, lui? Ah, je sais pas. Il m'a montré du doigt. Et on ne montre pas du doigt. Par contre, ça m'a l'air d'être un... Tu sais que t'as la fureur, là. Quoi? Bah, tout l'aïe. Mais pourquoi tu l'as mise? Viens là, Michel! Ok.
Donc oui, en effet, tu peux one-shot. Bah ouais, je l'ai fait déjà tout à l'heure, c'est abusé. En gros, soit tu lâches et ça t'arrête de courir instant, soit tu tapes direct. C'est abusé, je kiffe ce nouveau tueur. Une petite palette. Bon, dis donc. Gêne. Oh, ça a commencé du gêne, pardon. Non mais par contre, vous courez à 4 dessus là, les gars. Coucou, surprise, c'est moi. Tu m'avais pas vu, hein. Bon, ils sont pas allés le sauver l'autre, j'ai pas compris. Du coup, vous disiez... Ah ouais, d'accord, si, Kosu. D'accord. Ouais, faut quand même être proche, quoi. Ouais. Alors. Où qu'ils sont? Rue démoniaque. Je sais pas ce qu'elle m'a fait, mais J'avoue, t'as tapé la fougère. De quoi? Bah, il devait être devant toi au moment où t'as tapé. En vrai, je pense que ce tueur, c'est un bon moyen pour apprendre à gérer le tronçonneur. Oui, au pire, tu joues le tronçonneur. Oui, mais lui, au moins, si tu te fail dans tes courses, ça te stun pas. Bah, après, lui, tu peux pas non plus courir comme ça en permanence. Hein. C'est vraiment dans des cas particuliers. Non mais madame, madame, je suis derrière toi là. Ah ouais d'accord, c'est que c'est en train de... Ok. Là je suis dans le caca. Hein. Attends, il y avait des boules ici, voilà. Super, pas suffisamment du tout. Ils vont me rouler dessus, je t'ai entendu toi madame. Oh là là, ça va être tellement loin. Le bruit du katana en vrai. Ouais, les bruits sont hyper cool, je trouve. Sans pression, je me suis jeté d'en haut. Dans le plus grand des calmes. Ah, j'avoue qu'il faut chiller sur ce tueur, ouais. Ah bah, ouais. Non mais... C'est abusé. C'est Collins qui va s'y mettre. Ah, il s'est trop pété. Non mais c'est... Il est ouf ce tueur hein. Il est ouf, il est ouf. J'adore. Ah, il y en a un qui est mort déjà. Ouais. Hop hop hop. Oula. Bonjour. Oh merde. Moi j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop de gènes par rapport à ce qu'il devrait y en avoir, non? Il y en a trois. Bah oui, ils sont pas si loin les uns que les autres. Pourquoi? J'ai pas compris pourquoi j'ai eu mon... Peut-être qu'elle se charge toute seule aussi au fur et à mesure. Oh là là. Mon dieu. C'est horrible. Et le pire c'est que là tu pourrais continuer. Mais je pourrais repartir par contre, en courant sur le suivant. Il y a des gens qui vont slug avec lui. Oh là là, ça va être infâme. Ah, je peux repartir en courant sur le suivant. Je pense ça, il y a moyen qu'il y ait un petit changement. Ah, il y a des gens qui vont slug sinon là, ça va être trop hardcore. Viens là madame. Regarde, là, c'est... elle peut plus rien faire, la dame. Bah, si, on se voit. Enfin, ouais, si. Bah, là, elle passe par la fenêtre et ça va mieux, quoi. Et là, le truc, c'est que je peux me prendre n'importe quel obstacle, ça ne changera rien. J'arrive pas à courir. C'est ridicule, il m'a fait tomber la golden palette, lui. Ah, bonjour! Bonjour, madame! Oh là Nawak.
Bonjour. Je vous amène là-bas, mademoiselle. Tout va bien se passer, vous inquiétez pas. Chili barbecue sur lui, c'est... Ah, j'ai pris un memento, tout à fait. Madame la dernière, vous êtes où? Ah merde. Là, j'aurais peut-être dû te laisser en vie, toi. Où la porte? Non, tu t'en fous, je pense, de la porte. Là, normalement, il me reste des bouboules. Là, normalement, il y en a plein. Non, ça... Je crois, en fait, elles perdent de l'efficacité au fur et à mesure. Peut-être. Oh! C'est pour la science, mesdames. Force de science? For the science. Salut, Nitro. Salut, salut. S'il te plaît, laisse-moi te memento, madame. Je veux te memento, s'il te plaît, madame. Elle est descendue? Non. Madame. Non. Madame, je te jure, tu vas aimer ce qui va se passer, tu vas aimer. Non, faut que je te memento, madame, je te jure. Laisse-moi te memento, ce serait triste. C'était pas elle? Non, c'est pas elle, elle est là-bas encore. Madame! Elle est partie. Ah, elle avait la trappe, je pense. Potentiellement. Harry, vous voulez te memento, madame? On a loupé ton anniversaire, joyeux anniversaire, Clermont. Bon anniversaire? Bon anniversaire, en récompense, tu as donc le nouveau chapitre. Rip memento. Je voulais le memento. Bah, la dame, elle avait pas envie. Je voulais pas le memento. Jiku. Yeah. Tu vas jouer lui? T'es en recherche tout à l'heure? Bah oui. Ah, il se fait... Je suis en recherche depuis un petit moment, du coup, normalement. Je devrais le trouver dans pas longtemps. Genre, pile poil le temps d'aller me chercher un verre de coca. Et de tu le mettre très gaffe, très loin de Collins qu'il ne le renverse pas. Ah, est-ce que tu peux me... Non. Il a vraiment renversé un verre entier en fait. Non. Ouais, pas mal quand même. 75 centilitres, mais ça va. C'est ça. Et merci beaucoup Chris Blaze, joyeux anniversaire Clermont. Merci beaucoup. Et merci beaucoup Clermont. Merci, j'adore ce tueur visuellement. À voir le gameplay. Et bah, le gameplay, il est carrément pas mal, en vrai. Il est plutôt pas mal du tout. Merci beaucoup, en tout cas. Moi, j'ai passé quelques points va falloir que j'aille dans le temple. Oh. Ah, c'est détruit. Je les ai pas. Si, c'est bon. 250 000 pour 2700, c'était pas ça avant. Si, ça a toujours été ça. Pété un peu. Je te demanderai à Kossu si c'était ça, mais je ne savais pas que c'était autant. Et du coup, je vais lui monter un peu la toile pour découvrir des petites choses. Je me suis demandé comment tu renverses pas beaucoup de coca. Il m'a pas mis beaucoup, super. Il m'a mis un fond, je suis ravi. Et encore, t'as la chance, juste avant, il y avait 5 coca et nickel. 3 quarts de bulle. Kossu, c'était 250 000 points de sang, une perk à 2007. Oui. Non. 200 000. Attends, parce je sais que plus. Là, c'est. Ça, c'était 150 ouais, 000, là, 200 000. Et elle coûtait 2700. Bah, c'est 200 000. Et elle m'a fait 250 000. Ah bon? Oui. D'accord. Bah, 250 000. Alors. Du coup, je suis content. Du coup, pendant ce hashtag, je vais refaire un petit tour sur les perks parce que du coup je sais plus trop ce qui se passe. Et du coup, monsieur Chaud, ça va très bien et toi? Alors, première perk. Donc, débloque le potentiel de repérage d'aura d'une personne. Vous voyez l'aura de l'ensemble des palais, donc ça c'est ce qu'il avait Collins. Quand un survivant est blessé, cette compétence devient inactive pendant 40 secondes. Donc, en gros, quand tu blesses quelqu'un, tu vois plus les palais. Ok, bon, ça déjà c'est clair, c'est possible, je me servirai jamais de ma vie. Écho sanguin, l'agonie d'un survivant est infligée aux autres. Lorsque vous suspendez un survivant, tous les survivants blessés. Ah oui, voilà, tous les survivants blessés. Souffrent de l'effet de statut hémorragie jusqu'à ce qu'ils soient soignés.
et de l'effet de statut épuisant pendant 45 secondes. C'est pour ça que tu avais beaucoup, beaucoup d'orbes, en fait. Parce que tu leur mettais hémorragie. Ah, et du coup, ils saignent plus. D'où l'intérêt de... Ok. Bah, de l'hémorragie avec lui, quoi. Okay, et ouais. Ennemi juré, vous cherchez à vous venger de ceux qui vous ont fait du tort. Dès qu'un nouveau survivant... Ah oui. Un survivant qui parvient à vous aveugler. Ah, même aveugler, même. J'avais pas vu ça. Que ce soit aveugler ou étourdir... Avec une palette ou un casier, devient votre obsession. Dès qu'un nouveau survivant devient l'obsession, il est affecté par le statut inconscient. Et pendant 40 secondes, du coup, il n'a pas voué son aura pendant 4 secondes. Mais du coup, surtout pendant 40 secondes, le mec ne voit pas votre tache rouge, n'entend pas votre rayon de terreur. C'est assez horrible, hein. C'est assez horrible. Ok, bon, celle-là, elle est pas mal en vrai. Elle est sympa. Je sais pas si je l'utiliserai, mais elle est pas dégueu. C'est celle qui m'intéresse le plus, en tout cas. Allez, j'aurais bientôt trouvé une partie là, enfin j'espère. Question bête, mais c'est grave d'être en hémorragie. Bah non. Entre parenthèses dans le jeu, parce qu'en IRL, je comprends le délire. Bah c'est juste que tu fais, tu laisses plus de sang en fait au sol. Du coup, pour certains tueurs, ça peut être te suivre. Plus simple, ouais. Et lui, du coup, c'est très récupère. Surtout plus pour, par exemple, le spectre. Ou comment elle s'appelle l'autre. L'esprit avec la donne, mais je sais plus s'il existe encore cette donne. Enfin bref, tous les tueurs, et puis surtout la perque en fait, tout court, la perque, chien de sang quoi. Pour l'esprit tu veux dire. Non, parce que l'esprit elle ne voit pas. Mais ouais, c'est un tueur original des BD. Mais voilà, l'esprit avec les lunettes, oui. J'ai dit quoi. Ouais bah, en gros ça peut être bien, l'hémorragie ça peut être bien pour le spectre, l'esprit. Parce que le spectre il a un truc aussi de base, hein. Pourquoi le spectre serait devenu nul? Non. Ta-ta-ta. Eh, merci beaucoup. Ah merci non. Merci beaucoup, McNugget, pour le Twitch Prime. Il a pas spécialement de trucs. Okay. Merci beaucoup, bienvenue. Merci beaucoup, Hot P McNugget. Pourquoi vous avez des pseudos comme ça? Quel est le projet? Donner fin au streamer, c'est ça? C'est ça le but? Est-ce le but? S'il vous plaît. Merci beaucoup, je en tout cas. Je pense que oui. Ah, je tag. C'est le 15 sur PS4, et bah il sort vraiment... en décembre. Tout à fait. On n'a pas plus d'infos. Les musiques de sub sont en double. Je sais pas pourquoi, depuis le stream de l'autre jour, Kosu a les musiques de sub en double. Et voilà. Je sais pas. Parce qu'il y a ça. Ah, c'est de ce bureau-là. Oui. En fait, avant, ça a toujours été coupé. Sauf... Le truc, sauf que pendant mon live okay, Pokémon, ouais, j'ai dû mettre la musique sur cet ordi en fait. Okay. C'était le seul moyen, parce que du coup j'avais pas de truc pour mettre la musique. Ok. Vu que les cartes d'acquis étaient sur les Switch. C'est normal. Allez, bon les gars, première fois que je le joue, en plus je suis à poil là, hein. J'ai 0 perk, 0 rien du tout. Temps de tag. Genre si je lance maintenant, c'est bien. C'est trop tôt. Ah ouais. Faut lancer, genre vraiment comment ma partie elle est lancée quoi. Ok. Ok, il est stylé ce tueur, mais tellement. Mais oui, merci beaucoup, Amel. Quelqu'un va se ça pour tester le son. Allez-y, hein, surtout tester. Ouais, tester, on va faire des tests. Ça va prendre peut-être une bonne heure, deux heures. Donc n'hésitez pas à tester. On fait des tests, allez-y. Non, en vrai, on peut aussi faire ça. Hein. Non, mais non, bah non, c'est moins drôle, tu vois. C'est vachement moins drôle. Faites des tests, écoutez le contact. Là, normalement, il n'y a plus qu'une fois. Normalement, oui. C'est bon, nickel. Nickel, ah, nickel. Il est en double. Test validé. Et bonsoir à salut Roku, salut ceux qui arrivent. Des tests pour il y a des problèmes. Non, mais oui, on avait un problème de son, mais on rigolait. On rigolait. Contacte le commercial qui nous a tenté qui nous a donné l'idée, tu vois. Il tape avec un katana et en forme berserker, il tape avec un énorme gourdin. Ça, tu te fais des petites fantaisies, toi. Ouais. Forme berserker. Ouais, mais en fait, il me faisait passer... Non, c'est quoi le nom? Berserker, je sais pas quoi. Bah, ouais. Je sais pas. Dans Diablo. Dans Diablo, non, c'est barbare. Oui, mais c'est quoi le nom d'une de ses perks? Ah, mais mec... Oui, mais voilà, mais c'est machin du berserker. Je sais plus, et du coup, il me fait penser à lui. Justement avec l'aura rouge et si on ralentit quand même quand on fait le clic droit. Ouais mais Genre c'est un peu comme à D-Risk quand tu charges il ralentit quoi. Ouais du coup nouveau survivant, nouveau tueur et nouvelle map. D'ailleurs t'es dessus. Totalement. De quoi? T'es sur la nouvelle map.
Peut-être. Oui. Et en gros, ce tueur, il ramasse des orbes de sang laissés par les survivants blessés. Quoi ? Et ça lui permet de passer en fureur et de devenir complètement pété. Et il sort en décembre, on n'a pas fait. Je vois rien encore sur ce map. J'ai envie d'éternuer, c'est horrible. Éternue. On n'a plus envie d'éternuer. Ah, quand il passe un obstacle, quand il fait une action en fait, ça laisse beaucoup plus de sang. Ouais. C'est indiqué sur le contre-chargement tout à l'heure. Et le sang reste indéfiniment en plus, les petites bougies. Du coup, c'est plutôt pété. Bon, là, je me fais loupe comme une grosse merde là. Hein. Oh, mais toi, tu remplis ta phase. C'est pas mal en vrai. D'ailleurs, je vais dénoncer ma game. Quoi ? Ceci serait-il une blague ? Bah merci quand même ! Ah, t'es les conneries peut-être ? Ouais, c'était bizarre la caméra là. Alors ? Ah, j'ai pas de chili par contre, ouais. Il y aura une vidéo d'histoire de du tueur et du survivant dans le week-end du coup. Ok, bon, il est un peu plus flexible, beaucoup plus flexible que Ce qui est bien, si tu prends un obstacle et tu repars. Il est beaucoup plus flexible que l'autre là, Hillbilly. Oh merde. Ah. À ceux qui arrivent. Moi je pense pas que ça va être ma cam ce tueur au final. Ah, je le kiffe bien perso. Après oui, il a l'air très drôle hein, mais... Mais oh la vache, elle me fatigue celle-là hein. Non, je pense pas que le dash, si tu l'arrêtes sur une palette, que ça le pète la palette. J'ai pas testé. Mais on alterne un peu sur les tueurs. Là, moi c'était juste faire au moins une partie, tu vois, histoire de quand même. Quoi ? Je pensais qu'il y avait un trou. Attendez, faut que je casse les palettes. Je me le suis dit à moi-même, Kosu casse les palettes, sinon tu vas te faire emmerder. Ouais, c'est la nouvelle map. Est-ce qu'on a de la du crochet en haut du temple ? Oui ! Ça charge vite les gouttes de ouf. Je vais pas activer mon truc parce que ça servira à rien là. Tiens, ils étaient vraiment tous autour d'elle hein, parce que ils l'ont déjà libéré. Rip. Trop loin. Allez hop. La dame. Bon, ça irait mieux avec des perks, mais on sent ça passe hein. Et l'autre, elle me fait du moonwalk là, qu'est-ce qu'elle a elle? Je vais lui claquer ma phase rage sur la tête là. Quoi? Oh là là, par contre, faut faire vite qu'il règle ce truc là. Les gens qui moonwalk et tout, ça va vite me gaver ça. Bah c'est trop bizarre en fait leur façon de se déplacer, mais regarde-moi ça. Oula. C'est débile. On est c'est un bug je pense. Elle marche à l'arrière en fait, c'est ça, contre l'obstacle.
coup. Non, mais il marche dans tous les sens en mode slide trop chelou en fait. Tiens. C'est chelou. Si, on peut. C'est pas la première fois que je vois des gens moonwalk, mais là j'avoue que. Depuis que le PTB. Enfin, depuis aujourd'hui, là, je vois tout le monde faire ça et slide dans des sens pas possibles. Genre, c'est bizarre. Non, je pense pas qu'ils aillent plus vite en soi. Ça me paraît très vraiment ouf. Mais c'est juste que c'est pas très intéressant quoi. Enfin. Puis ils le font vraiment tous, hein. Il vient d'en voir une qui le faisait encore là. Hein. Par terre, là, madame. Bah oui, hein. C'est bruit de boyau quand tu ramasses les orbes. J'ai pas entendu. Wouah, les deux gènes, la meuf, elle est en train de se faire les deux gènes là. Moi, j'aime beaucoup sa phase du coup avec deux actions différentes. De... Par contre, c'est que les persos blessés qui te donnent ton pouvoir, ça va tunnel. Bah pas forcément, parce que il donne moins si le mec il fait juste courir, il donne moins que quelqu'un qui va être blessé ou quelqu'un qui va passer des obstacles ou autre. Mais en soi, c'est pas ça qui empêchera les gens de tunnel. Enfin... Par contre, ouais, il y a d'énormes risques de slug, parce que t'en mets un au sol, du coup tu peux recourir sur un autre. Ils vont trouver des solutions, mais. De toute façon, je vais arrêter de me débattre là. Clairement, là, ça va pas passer ce game. Mais la nouvelle map sort beaucoup pendant le PTB, je pense. C'est fait exprès, ils ont dû augmenter les chances. Pour bah, justement pouvoir tester la nouvelle map. Et pour voir si elle a des bugs. Y'a quelqu'un là, hein. J'ai pas d'orbe ici. Là, y'en a une. Je vais la mettre à terre, la dame. Moi, je pense pour ces skins, visiblement, ça va être le katana qui sera le skin d'arme. Et je pense que le pouvoir d'un sera avec la tenue. Oui. Ah mais t'as un putain de d'allonge hein. Ouais. Ah ouais. Ok. Aucune idée de la date exacte de sortie, on sait juste que c'est décembre. Donc là vu qu'il y a le PTB, une petite semaine de PTB, une petite semaine d'attente, c'est début décembre je dirais. C'est violent hein. Tu peux vraiment tuer. Enfin pas tunnel mais tu peux vraiment slug comme un porc hein. Ah. Si en soi le personne n'échappe à la mort, il sert toujours dans le sens où bah, si t'as pas ta face, tu one shot pas. Ouh. Vraiment stylé. Ouais, ils ont déjà ouvert une porte. Et là depuis longtemps au sol, moins il te fait monter. C'est sûr ça du coup? Non mais j'ai l'impression. Parce que genre là t'as pris plein de boules et ça a pas. Je sais pas, après peut-être différentes tailles de base. Bon, parce que je pense, voilà, je suis même pas dans le truc. Ok, non, mais je voulais juste tester une fois au moins le tueur en mode. Bah, en mode pas. Bah, moi je joue. Personne n'échappe à la mort, je joue avec Myers avant. Donc toi tu joues personne, je sais pas la mort avec tout.
Ah, je laisse très rarement maintenant personne n'échappe à la mort, mais en soi il peut quand même sauver des gars. C'est un échec cuisant. Catastrophe catastrophique. Kotsui t'as parcouru. C'est un mur. Une catastrophe. C'est un mur, Kotsui, c'est un mur. Merci Gullins. Cette analyse en profondeur. T'as vu? Bah non, ça, madame. C'est une survivante. Je suis gentil. Casse-toi. Barre-toi, vilaine. Donnez-moi du sang. Ça fait 2 heures qu'on enlève quasiment là. Bientôt 2 heures, pas encore. Par contre, si vous pouvez juste avoir l'amabilité de vous casser. Hein. Allez, bon vent les gogolitos là. Voilà. Et bah, voilà. J'avoue, finalement, la petite théorie avec le sang était pas fausse. C'est laquelle pas, ouais, c'est de quoi faux. Bah, la théorie du masque qui aspirait le sang. Ah ouais, grave. Mais final, c'était pas logique en fait. Bah, ouais, c'était. Avec l'encens en fait. Il y aurait pas eu l'encens. Toute la théorie c'était terminé. On était sûr que c'était ça quasiment en fait. Oui. Ouais, c'était clairement un retour arrière, donc je sais pas. Bah en soi je pense que c'est le cas clairement. Hein. Normalement j'aurais pas tardé à tag. De toute façon c'est le cas dans le sens où t'actives ton pouvoir grâce au sang que tu récoltes, donc de toute façon. T'as vu, il est beau, il est rose. Par contre ouais, il rend tellement bien avec les yeux rouges lui dans le... T'as lancé quand à peu près? Début de ta game. Du coup je fais quoi? Attends. J'attends. On va attendre. Ça rajoute des points de sang quand on absorbe le sang. Ah bah voilà. C'est pas mal, hein. En tout cas, stylé le tueur, mais oui. Il est vraiment stylé, hein. Il est vraiment, vraiment beau. C'est quoi le rapport avec la spirit du coup? Et bah a priori ce serait un de ses ancêtres. Mais de toute façon je vous fais l'histoire du monsieur et de la madame et de Yui ce week-end. Est-ce que vous farmez des points de sang avec ce tueur du coup? Bah après je sais pas s'il sera plus opti que d'autres pour farmer, mais... Une petite explication des pertes du survivant attendant la game de Ko. Allez si vous voulez. Vu que j'ai fait celle des tueurs récemment, enfin juste avant. Pour la survivante du coup au niveau de ses perks, bon j'ai pas les chiffres de la perk level 3 mais ça le fera quand même. Alors la meilleure perk pour moi c'est par tous les moyens du coup bah en gros on peut relever les palettes hein, clairement voilà. Y'a pas besoin de... En 3 secondes tu relèves une palette. Sachant que ça va enlever le chiffre tu peux le faire quand elle est rentrée, tu peux le faire toutes les 2 minutes donc 120 secondes voilà. Du coup cette perk elle devient vraiment super forte, faut vraiment quand t'es tueur bien penser, surtout en plus sur le PTB là parce qu'il va y avoir que des Yui, bien penser à casser les palettes quand elles sont baissées parce que sinon ça va être la mort. D'ailleurs chose que je n'ai absolument pas fait et peut-être que c'est pour ça que j'en ai chié. Enfin c'est une des raisons pour laquelle j'en ai chié. Ensuite il y a Fugue à 6 mètres d'un survivant qui est transporté, toi tu vas plus vite de je sais plus combien de pourcents et la vitesse de gigotement du survivant est augmentée de 20%, donc ça va être super bien combiné ouais. Avec des gens qui sabotent. Combiné avec des gens qui ont la perk de tap là. Non, c'est pas tap. Je sais plus qui c'est, mais qui récupère un petit peu. C'est Jane? Bref, vous voyez. Qui arrive en gros. La santé qu'il récupère pendant la game quand il rampe, il la convertit après en gigotage. Du coup, ça, plus body block, plus sabotage. Enfin, ça peut donner lieu à des perks très cancer. Et la dernière, c'est coup de chance. Du coup, la perk s'active quand t'es blessé. Tu ne laisses pas de traces de sang pendant 120 secondes. Bon, je la trouve un peu caca quoi. Parce qu'une fois qu'elle est. Une fois que les 120... que t'es blessé, que les 120 secondes se sont écoulées, la perk est désactivée pour tout le temps. Du coup, alors autant ça doit être un contre pour le monsieur. Même si au final il peut quand même la monter, ça truc. Mais c'est pas foufou hein. Bah ouais, c'est utiliser une perk qui te sert une seule fois quoi. Premier coup. Et t'inquiète, Aswil, je ne joue pas là. J'attends que Lynn fasse sa game.
Allez, c'est parti. Mais c'est pas activable quand tu veux cette pertinence, c'est quand tu te fais taper la première fois, c'est exactement. Ça. Exactement. Quand tu te fais taper la première fois, du coup, tu fais plus de sang pendant 2 minutes ou 3 minutes, je sais plus. Ah putain, hop, c'est bon. Oula, il y a une nouvelle animation en bas. Je sais pas si vous l'avez vu. Le survivant, j'ai vu les... Ah, les pattes. Les pattes qui se sont illuminées. Bah en mode qui, comme si elles s'enflammaient un peu, un effet un peu chelou. J'ai pas vu. Sur le mon obsession. T'as un memento rose ? Bravo, je l'ai dit 4 fois. Oui mais merci Félix, je suis en train d'expliquer les trucs. Hein. Ah oui mais je l'ai dit. C'est quoi la troisième paire de la survivante ? Bah voilà. C'est la paire qui... Bah si, je l'essaie. C'est la paire qui sert à rien, qui fait que tu saignes pas pendant 180 secondes, je sais pas quoi. Dave. Et par contre, là on va pas être d'accord. Quoi ? Pourquoi tu cries ? Ils ont déjà fini la game quasiment, les enfants. Oui, oui. Là, ils ont pas le temps, hein, dit le mec avec un memento. Mais il faut bien tester le memento. Parce que si on le teste pas, on peut pas remonter les bugs. Je cherche des excuses de merde. Ça, je casse. Viens là, madame. Le pouvoir du tueur à elle, c'est qu'il peut absorber le sang des victimes. En gros, de ses victimes, quand tu es blessé, tu laisses du sang. Le tueur peut les absorber, ah, tu vas allez le voir. En gros, coup, je tape, elle lâche des orbes, déjà que je récupère de base. Et là, elle va me lâcher plein de petites boulettes d'orbes. Des boulettes d'orbes. Des boulettes d'orbes, tout à fait, des boulettes de sang. C'est toi qui dis ça. Hein. Oui. Je sais. Et du coup, ça charge le pouvoir. Ils de ils m'ont Collins. Fait deux gènes, mais tryharder, ça va ou pas? Et en gros, je deviens un gros monsieur. Et du coup, c'est un peu dommage de l'avoir activé pour ça, mais... Bah, ouais. Bah, hey, s'il te plaît. Les gars, j'ai attendu 3/4 ma game pour me tryharder les gènes. Et pour le moment, ouais, c'est la voix de mec qu'elle a. Putain. Ouais, c'est le cas. C'est le cas, elle a la voix de mec pour l'instant. S'il te plaît, les tryharders. Je veux bien que tu tryhardes un minimum, mais... Les gars... Zéro scrupule. Viens là, il me faut quelqu'un là. En fait, ils en ont un ou deux qui doivent faire que ça me. Oh, ça m'a l'hypopète. Oh là là. La game de merde. À peine commencé, je sais déjà que ça va être de la grosse merde ma game. Ah bah là. C'est déjà fini donc. Elle était bien cette game où j'ai attendu 3 quarts d'heure. Par contre, si tu te soignes pas. Ah, mais t'as mis un accessoire rose aussi. Oui. Je sais plus ce qu'il fait, mais il doit faire quelque chose. Comment ça ? Ah oui. Et sur l'épaule, c'est pas celle que j'ai déjà eue, non? Je sais pas. Non, mais voilà. En même temps, là, je suis plus sur eux du tout, donc. Non, c'était pas la même. Je fais mon chemin inverse, du coup. Pour récupérer les orbes. Et je n'en ai pas assez. Non, mais d'accord, elle a la perque. Ah non. Non, non, c'est juste que t'as l'accessoire. S'il te plaît, regarde ça! J'avoue que c'est un peu no-brain là, franchement. Non mais ouais. Bah c'est le PTB quoi. Hein. Ouais mais les gars, tryhardez pas à ce point. J'ai même pas eu le temps de caler un memento. Ok, les deux portes par contre elles sont ici. Là je suis sûr c'est elle là, la tryhardeuse de ces morts. Regarde-les à tous faire du moonwalk là. Ils rendent fous un peu. De quoi? Ils font tous du moonwalk. Ah la dame elle veut que tu la memento. Non mais toi par contre. Mais elle veut que tu la memento. Bah oui mais attends, je vais en avoir plusieurs à la fois. Ah bah elle tu peux la memento aussi. Tiens je te bouffe. Oula. Eww. Bon, on voit très bien du coup dans l'herbe, mais ça passe. Si jamais il y a le clip dans le chat du memento. Merci madame.
putain, enfin des gens qui veulent jouer attends, sur un PTB que quoi. Se place bien. Quoi faut... Ouais, je sais pas. Ah bah, ils sont tous là au final. Ah non, mais elle, elle vient pour sauver sa pote. Oh, oh MDR. Ok, donc là, on a deux tryhardeuses. Elle est où l'autre? À gauche. C'était par là? Bah ouais, c'était là. Nia, nickel, madame, merci. C'est mis, il y avait pas d'herbe. Bah oui. C'est horrible. C'est horrible, mais c'est stylé. Je suis d'accord. Je suis d'accord que c'est vraiment stylé. Nia. Ah, je pensais qu'il donnera un coup de... Et là, on a la tryhardeuse. Mais en fait, je vois pas ce qu'il fait après la planter dans la gorge. Il lui met un coup de katana pour la planter dans le sol qu'elle puisse plus bouger. Après, il lui arrache la langue. Après, il enlève son katana et il lui met un coup de marteau, la fin de massue. Il est violent de ouf, c'est Memento, j'adore. Merci beaucoup, Joté. Merci beaucoup. On aime bien aussi. Bon, c'est un peu barbare, mais ça nous plaît. C'est stylé. Je kiffe le Memento. Il est beau. Du coup, je passe sur... sur yes, je passe en survivant. Pire que celui de The Hag, le clown ou la Légion. Bah, celui de The Hag, en soi, il pourrait être très bien et hyper gore et hyper violent si il était, s'il avait été fait à maintenant, quoi. Ouais. Parce que du coup, à l'époque, ils savaient pas autant... Enfin, ils étaient pas aussi forts que maintenant en animation, quoi. Du coup, si, en vrai, franchement, ce serait vraiment super bien que pour une mise à jour... Il nous fasse un petit rework des Memento, enfin, ce serait vraiment super cool, quoi. Genre qu'il nous fasse vraiment des trucs de ouf, genre, je sais pas, tu vois, genre, Hillbilly, genre, t'es debout, il tronçonne en deux, et genre, il pousse la partie du haut, tu vois, et tu tombes, enfin, je sais pas, tu vois, genre... Je pense pas qu'ils feront des Memento du genre, mais... Bah, en soi, là, c'est vénère, hein. Mais ouais, heureusement, heureusement qu'il y avait les deux survivants, là, qui voulaient voir le Memento, aussi. Parce que, ouais, il y avait la tryhardeuse là avec sa tenue toute slurpée. Elle s'en foutait. Hein. Elle était là pour faire sa game et fuir vite. Bah, c'est vrai que le Spectre et le Trapper ils ont vraiment la même animation quoi. Alors que le Trapper, tu vois, genre, je sais pas, il pourrait. Y'a personne qui égorge. Ah, si, y'a Amanda en soi qui égorge. Ouais, si, c'est vrai qu'il y a Amanda déjà. Mais non, je sais pas, ouais, il pourrait vraiment trouver des trucs stylés, quoi. Vous avez vu Squeak, il a éternué ou pas? C'était très chou. Squeak, il a éternué. Ah bon? Oui. Bah oui, bébé chat. Ça s'appelle mais la tête d'un survivant dans un piège. Non, mais ça, c'est un peu hardcore aussi. Mais ça, puis bon, même... Je sais pas comment il pourrait faire, tu vois, mais... Ouais, la Légion, il est sympa aussi, son Memento. Même s'il fait quand même beaucoup penser à celui d'Amanda. Qu'est-ce que je fais? Je suis en mode tueur, là, tu sais. Alors, je cherche des survivants. Pas du tout, Gosu. Tu es là pour trouver le tueur. En plus, sachant que j'ai mis la perque, là, la fameuse perque qui fait que j'ai pas d'hémorragie. Du coup, je me rends pas compte de si je vais laisser des petites bouboules de sang ou pas. Bah le manteau de la pig elle te plante dans la main là. Et après elle te tranche la gorge le coup d'après. Dame, je rappelle tant. Et l'autre est en train de relever une palette. Ouais, bien stylé ce nouveau tueur. J'aime beaucoup. Il est où? Monsieur, tu campes pas, on n'a pas le temps pour ça. Hein. Allez. Elle fait ça la cochon, bah oui. Si j'ai pas de conneries, hein. Bah oui, elle plante dans la main. Elle plante dans la main et après, elle t'égorge après.
Monsieur, fallait casser la palette. La palette. À quoi bon si je la baisse pas? Ça dépend. Bah là, visiblement, à part un trailer d'or, il n'y a pas eu de relou à trop focus, à trop camp. Donc ça, c'est pas mal. Je fais quand même des bouboules de sang, même si j'ai pas hémorragie. Là, il les casse par contre. Ah, il est en rage. Salut. Bon, putain, il charge. Oh, oh mon dieu, il m'a eu quand même, cet enfoiré. Ouais, et il y a les archivia tout. En gros, la sauvegarde qui est prise, elle a une semaine à peu près, je dirais. Un peu plus ou moins, ouais. Parce que là, j'en étais au truc des corbeaux, visiblement. En gros, sur le PTB, ils prennent une sauvegarde de la partie de DBD où t'es. Et tu joues dessus avec les nouveautés, du coup. Et une fois le PTB est parti... C'est bizarre quand tu te fais décrocher, j'ai l'impression qu'il y a, il y a un bug d'animation que tu glisses. Je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu, je l'ai pas vu. Maman. Je crois que le pied s'est retrouvé au sol. Savoir que tout ce qui se passe sur le PTB reste sur le PTB. Donc Bah je vais mourir là, hein. Mais mec Fais sur votre vrai game. Quoi? Fais sur votre vrai jeu aussi. Ok. Il a tapé de loin. Mais vas-y, ramasse-moi en plus là. Un couteau de l'oric sert à rien. Il slug, enfin, il slug tout le monde. Bah il me slug nous deux en tout cas. Ouais, c'est le risque. Alors, en même temps, ouais, tant qu'il est en phase machin, il va... Ouais. Mais là, je trouve qu'il m'a... Pour le moment. C'est faux, il y en a eu un. Ah, salut Elias, et oui, hein! La longe elle est ouf quand il est en. En rage, mais il est vraiment cool. Je pense qu'ils vont simplement faire que dès que tu mets quelqu'un au sol, tu quittes ta phase. Ce qui serait logique en soi. En gros, c'est tu fous quelqu'un au sol, ta phase s'enlève. Au moins, ça évite que le mec se serve 12 fois de son truc pour se lever. Vilain! Bonsoir à tous ceux qui arrivent. Ah, mais là c'est plus qu'une allonge, là, c'est un, c'était une des 5 serveurs là. Là c'était moi qui n'ai pas. Ah, par contre, la perque du fait qu'on perd pas de sang se met en pause quand t'es accroché. Donc c'est pas 100 vraies secondes quoi. Enfin 120 ou je sais pas combien de secondes. NON! J'ai le bug de la barre espace. Ah d'accord, le bug le... ouais. Bah le bug de notre clavier qui fait qu'au bout d'un moment la barre se bloque si tu fais trop sur l'extrémité de la barre espace. Ouais. Moi je l'ai plus depuis que je l'ai nettoyé, hein, mon clavier. Bah ouais, mais moi il est propre mon clavier, hein. Non mais c'est qu'il faut bien appuyer au milieu en fait. Bah ouais, ouais, c'est ça. Bon bah rip du coup Du coup. Adios. Ça devrait pas tarder de mon côté. Ah, j'avoue, impossible de se cacher dans les herbes en étant à terre. Et d'ailleurs, les orbes au-dessus. Bah, je sais pas si tu rampes, tu fais des orbes, je pense pas. Non, parce que sinon ils pourraient être farmés comme ça, quoi. Mais du coup, faut bouger, parce qu'à partir du moment où tu tombes par terre, là, où, à l'endroit où tu tombes, il y a des trucs. J'avoue qu'au moins, tu spam F. Ça peut être une solution. Oh, c'est quoi ce truc? Ce truc, c'est le nouveau tueur. Il est carrément balèze. Ça fait vraiment barbare Diablo ou... Je trouve qu'il change vraiment des autres. Enfin, même là, c'est... ça a rien à voir avec les autres tueurs pour le coup dans la liste. Il change de ouf. Regardez s'il y a des sortes de ressemblances entre les deux. Pas du tout. C'est
C'est full inventé par les devs. Enfin, ça part de légende et compagnie, mais c'est pas tiré d'un film ou quoi que ce soit. Oni, c'est objet non identifié. Alors non. Non, Oni, c'est un démon japonais. Du coup, ça n'a rien à voir. Mais non, malheureusement, les amis, notre théorie du père de Rin et Rin en survivante n'était pas la bonne théorie. Non. On n'était pas loin par rapport au père de Rin. Sans ça, ça aurait pu être lui, là, sous l'armure. Et bon, il me paraît quand même vachement énorme et sec. Mais pour que ce soit un humain. Mais là, du coup, non, là, c'est vraiment un... En fait, c'est presque folklore, en fait. C'est le folklore japonais, en fait, clairement, hein, ouais. C'est un démon du folklore japonais, en fait. J'aime trop le mot folklore. Tu peux jamais le placer. Alors que là, oui. Ouais, c'est pas faux. Bah si, tu peux, là, mais... Oui, bah là, tu peux le placer, là. Mais dans des cas comme ça, tu vois. Ouais. Mais folklore, tu le dis pas tous les jours, hein. Vraiment stylé. Ça donne quoi les pouvoirs ? Et bah c'est plutôt pas dégueu. Et bah les pouvoirs, je vais faire un petit rapide résumé. Le tueur absorbe le sang des survivants quand ils sont blessés. Parce que les survivants laissent des petites gouttelettes derrière eux, même des grosses gouttelettes. Et du coup, quand il a suffisamment, ça charge son pouvoir et il peut se transformer, être en rage. Il a son clic gauche qui one shot et son clic droit qui fait une espèce de ruée un peu comme le tronçonneur. Sauf que lui, il n'y a pas d'histoire de collision et tout. Il peut continuer même s'il se prend des murs, il continue. Du coup, et à la fin évidemment de son truc, tu peux mettre une auto-attaque et tu peux down. Donc c'est très très fort. Ça demande quand même pas mal de maîtrise, surtout que là il n'y a pas d'histoire d'add-on où tu peux mieux tourner et tout machin. Non, là c'est tu te débrouilles. Donc voilà, du coup, j'avoue que le personnage est hyper détaillé. Son pouvoir est plutôt sympa. Et très bonne question. Je pense que ça va demander un peu de temps pour le maîtriser à fond, quoi. Est-ce que le masque de la map de Yamaoka a disparu ? Je pense pas. Bah, en vrai, ce serait. Bah, sinon, c'est le masque qui aurait disparu, pas le katana, quoi. Hein ? Bah, sinon, ils auraient fait disparaître le masque. Non, parce que ça aurait été trop. Là, c'était juste un indice. Mais c'est pas impossible qu'il y ait des changements sur la map de Yamaoka. Ouais, peut-être. Ça sera à regarder. Et tu vois, tu l'as énervé. Je l'ai énervé. Coucou, Clary ! Mais coucou ! T'arrives quand le tueur il s'énerve, Clary. Bravo ! Tu l'as énervé, voilà. Et merci beaucoup, Aiden, pour les 5 sub gift. Merci beaucoup, Aiden. Merci beaucoup. Et sous, t'as du boulot. Oui, j'ai du boulot, en plus j'en ai en retard, là. Mavis, bienvenue. Super Roger, bienvenue. Darilia, coucou, bienvenue. C'est quoi ? Magnetic Bus. Magnetic Bus, et bienvenue. Choufi. Choufi. J'arrivais pas d'ici. Oui, c'est mignon comme pseudo, Choufi. Bienvenue à vous 5, et merci beaucoup pour les 5 sub gift. Merci beaucoup, Aiden, coucou. Bienvenue à vous 5 et merci. Salut ceux qui arrivent. Du coup, Aiden, Mavis, ça me fait penser à Sex Academy sur Netflix. Faut vraiment qu'ils sortent la suite de ce truc. À moins que j'ai loupé un épisode et que c'est déjà sorti. Bonsoir à ceux qui arrivent. Ensuite, Aiden et Darilia. Par contre, c'est de plus en plus long à tag. Bah là, ouais. Plus ça va aller, plus on va mettre longtemps. Parce qu'en fait, là, plus il y a des gens qui téléchargent le jeu. Et qui arrive à le télécharger, parce que là pour l'instant nous on est dans les premiers à l'avoir eu, je pense. Ouais. Mais après là ça va, chaque heure ça va augmenter le nombre de joueurs sur le PTB. Et du coup automatiquement ça va augmenter le nombre de tueurs et pas forcément le nombre de survivants. Donc il y a des nouveaux tueurs tous les 3 mois et ouais, en gros oui, tous les 3 mois il y a un nouveau tueur. Au pire je vais faire une partie en attendant. Bah comment ça, je vais en commencer une. Non, bah, ah bah Kosu vient de cliquer sur prêt.
Tout va bien. Putain, si j'avais cliqué sur prêt au moment où j'avais vraiment envie de cliquer sur prêt, ça se trouve j'aurais été tag avec toi. Ouais. Du coup, niveau des trucs, j'ai mis le masque de nid en bois, augmente légèrement la quantité d'orbes de sang lâchées par les survivants. J'ai mis le chignon scalpé, sympathique. C'est dégueulasse. Augmente considérablement la vitesse de charge d'activation pour relancer ruée démoniaque quand fureur sanglante est active. Est-ce que... Bye bye triple C. Non, ça va le faire. Et un petit memento jaune, et ça, j'ai laissé. J'avoue ça. Que tu dois enlever la perque des palettes. Hein. C'est vraiment caca. Hein. Ouais, mais tu veux que je mette quoi? Bah, t'as, mec, t'as prise de décision, t'as plein de trucs. Ouais, allez, prise de décision. Enfin, je vois et pas là, après la reste, mais. Mais t'as personne n'échappe à la mort? Non, mais j'ai pas joué personne n'échappe à la mort, après ça va faire caca. Et caca bah, mais nerveux, au pire, je sais pas, expliquer. Ni, personne n'échappe à la mort, blablabla, blablabla, blablabla. Et blablabli aussi. Putain, j'aurais kiffé pouvoir mettre en ruine pour que ça gueule encore plus. Bah, en soi, ruine, mec. Tout le monde joue avec ruine, hein. Ah, tout le monde dit que c'est. Mais t'as pas le choix en fait. Si tu joues pas avec Rune, tu te fais regen donc. Ce qui est logique. Je sais pas en vrai. Vas-y, je vais laisser ça comme ça. Oh, la game est prête. Une Claudette champignon rose. Oh mon dieu. Attendez, je rattrape tous mes post-it en retard là. Là. Hot P McNuggets. Je vais me donner encore à nouveau tout le monde envie de manger un McDo. Je peux mettre gardien de sang. Oh, je compte pas arriver jusqu'au moment où les portes s'ouvrent. Tu vas y arriver, je te le dis. Non. Il y avait Krabby aussi. Quels sont ses perks à lui? Bah, elles sont pas ouf. On a fait le tour des perks. De toute façon, il y aura une vidéo normalement mercredi. Bah, sur le nouveau tueur, ses perks, voilà. Et il y aura une vidéo également du coup sur YouTube ce week-end sur l'histoire du nouveau tueur et du nouveau survivant. Exactement. De façon de la famille Yamaoka. Très bien. On va Mélissa, voir si mon masque est sur la map. Je suis à jour. Merci aussi à ceux qui s'abonnent à la chaîne si jamais on fait du Dead by Daylight. Pas tous les soirs, mais tous les presque ouais. Tous les soirs. Ça dépend en fait des périodes et tout. En ce moment, ça, je vous avoue que je suis pas mal motivé à la base. J'étais parti pour faire un live, je rush l'archive, le chapitre 2, donc je voulais faire un live de 3, 4, 5, 6 heures. Au final, je vous avoue que là, je suis un peu fatigué et que le tueur, ça m'a un peu vidé, mais... Clary, quand même, qui dit t'arrives à me donner faim alors que je suis déjà en train de manger. Ah. C'est vraiment la pire. Ah, ça y est par contre, du coup, je suis sur la... le sanctuaire du Kourou. On sera pas tombé sur la map de base. J'irais bien jeter un coup d'œil vite fait quand même après cette game sur en partie custom. Voir s'il y a toujours le masque sur la map. Bonjour mademoiselle, je t'ai totalement vu, tu sais. Et je crois que tu as vu que je t'avais vu. Hop. Petit globe de sang. Petit globe de sang. Non ? Ah si, merci madame. Petit globe. Oh, petit globe! Qu'est-ce qu'elle fait? On aurait dit qu'elle s'était pris la palette aussi. C'était très 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 bizarre ça. Je vais te faire tomber sans même utiliser mon pouvoir. Oh, bonjour toi! Rip! Vous êtes. Ah putain. Tu vois? Ça m'a fait un truc. Ça fait un truc bizarre autour. Par contre, toi là, la Claudette, qui twerk? Sûrement. Putain, ça y est. Ah putain. Oh là là. Y'a déjà des gens qui ont trouvé un petit peu des spots. Chef! T'as cru que t'étais où toi? T'as cru que j'étais ton pote? C'est ça? T'as cru que j'allais m'accroupir et que j'allais faire ton gène? Non mais oh. Tu sais que ça m'embête ça ce que tu fais madame. Tu sais que ça me fout dans une rage noire. Rouge du coup. Ouais, c'est déjà un spot de loop ça. Et merci beaucoup. Merci beaucoup pour les 100 bits. Salut, vous le trouvez comment le nouveau tueur? Bah écoute, visuellement super beau. Au niveau du gameplay, assez intéressant, ça change un peu. Après, c'est trop tôt je pense pour dire si c'est pété ou pas. Mais je pense pas qu'il soit pété en soi.
Genre, il peut très vite s'acharner sur toi et tu vas vite mourir, mais il Nick fait un Sam... 4 sur 4. Putain, j'avais 3 survivants, je tape sur quoi le gène? Collins le suicidaire. Préfère suivre une personne qui est vers la Golden Palette. En vrai, je pensais que c'était l'autre que j'avais déjà accroché, alors que pas du tout. C'était peut-être elle, je sais plus. Elle va à la Golden Palette, mais je sais pas, je la sens. J'ai trop mal joué, j'arrivais sur 3 survivants. Par contre, l'apport, la fenêtre 3 fois, on en parle ou pas? Elle est re-rentrée. Bien sûr que oui. Oh, mais ça, c'est vraiment con, ça, par contre. De quoi, d'elle? Bah ouais, bah t'attends en mode j'attends le tueur et tout pour lui baisser la palette sur la gueule et tu le fais pas et du coup tu te fais tuer. En plus tu brises la Golden Palette pour ça quoi. Ouais, moi bon, ça me va hein. Par contre madame, ah non c'est bon elle est partie là-bas. Bonjour. Ah, les premiers trucs de sang, tu les récupères instant du coup. Oui. Ça, c'est pratique. Tu devrais pas te mettre quand t'es quelqu'un blessé. J'aurais pas dû m'en servir. Je l'ai totalement perdu là. Tant pis, j'en cherche un autre. Boîte. J'ai totalement quelqu'un ici, ouais. C'est la clo-clo. Mais c'est pas exactement la même que la game d'avant d'ailleurs. Je sais pas. J'ai un doute. Mais oh d'où? Si, ça m'a l'air d'être une petite tryhardeuse la dame. Oh, j'avais le prise de décision en plus. Oh, madame Claudette. Mais. Je sens qu'elle veut tryhard là, la dame. Enfin, qu'elle veut. Ah bah voilà, là, elle peut plus passer. Maintenant, tu fais autre chose, madame. Dis-moi qu'il y a une autre fenêtre et je deviens fou. Ah, y'en a une autre. Ah, ouais, je pense qu'ils ont rajouté l'animation par rapport à l'obsession. Parce que du coup, vu qu'elle a. Avec cette perque, en plus, elle a tendance à beaucoup changer de personne. Ouais. Faut que tu puisses suivre le cours de ton truc, quoi. Mais d'où? Putain, c'est improbable. Hein. Ça rend ouf les survivants comme ça. Bah en temps normal non mais sur un PTB c'est dommage. Enfin après elle joue c'est logique aussi mais je sais pas. Genre là elle me clique. Oh là. Bonjour. Elle me clique sa lampe torche depuis tout à l'heure quoi dessus. Voilà. La meuf elle est là juste pour que je cours après. Sauf si tu me proposes pas du beau gameplay je vais pas te suivre madame. Mais qu'est-ce que c'est? J'ai un trop gros cul, ok. Trop de muscles, je comprends. Elle est bien pas loin. C'est ça, elle est forte, mais c'est chiant de jouer contre ça. Et là, elle est en train de me clic encore. Elle fait que me clic. Voilà, et... Voilà. Toi, t'es blessé. Tu vas moins m'embêter déjà. Ah! Putain, j'ai eu peur de pas passer. Si elle passe, tu passes. Y'a plus la golden, madame. C'est d'ailleurs elle, non, qui l'a pété? Je sais pas. Par contre, ils vont me finir la game en 2-2, quoi. Madame.
Il y a la Clo-Clo qui va revenir. De quoi? Il y a la Clo-Clo qui va revenir. Tant mieux. Ça veut dire qu'elle fait pas de gêne en attendant. Par contre, bah là t'as pas obnubilé, t'as pas... oui. Regarde la Claudette là-bas. Non, c'était pas la Claudette pourtant. Bah la Claudette là, il y a moyen qu'elle soit devant toi en fait. Non, c'est bon. Non, non. Non, parce qu'elle a une lampe torche, elle veut jouer avec sa lampe torche, mais elle vient pas sauver ses potes. Full troll en fait la Claudette. Peut-être que ça y est, ils veulent jouer maintenant. Je suis sûr que c'est la Claudette qui fait exprès. Oh, ça m'a fait tourner de ouf. Mais d'où? Faut faire longtemps hein, pour que ça one shot, je crois. De quoi? Ça l'a pas one shot parce que t'as pas fait assez longtemps. Ça y est, elle a essayé de me flash l'autre. Elle s'est libérée derrière. Vraiment trop stylé ce tueur en vrai. Par contre. De mémoire, voilà. La réserve de sang ici. Ouais, mais tu vois, ça monte pas énorme. Hein. Bah, un peu quand même. Bon, par contre, si vous faites ça, ça me va totalement. Hein. Ou pas, je suis aveugle. Visiblement. C'est parti là-bas. Ok. Vous connaissez le nom de cette arme en particulier et le contact qui répond, un gros bout de bois. Non, je sais pas comment ça s'appelle. Attends, la Claudette, en vrai? Non, ça a un nom ces trucs. Insupportable. C'est un canabo. C'est tellement passé proche. Canabo. Bouyachaka. Allez, lâche. Et Bouyachaka. Merci Google, exactement. Ah d'accord, par contre ça tape auto. Bouya le corbeau. Elle est où l'autre? Elle est là. Bim, à chaka. Bim. Et l'autre, elle a ouvert à l'autre bout la porte. Oh putain, c'est beau ça. Oh. Là, c'était du slug, pas slug en fait. Ah, j'avoue, j'ai fait tomber la Claudette, je l'ai même pas encore. C'était du slug logique en fait. Elle avait trouvé la Claudette là. Quoi? Elle va être relevée la Claudette là. Ouais, voilà. Ah merde. Logiquement, ils ouvrent la porte là. But where is the Claudette? J'ai cru que j'avais le temps. Je pense que ça allait sauver là-bas. Bah, moi je serais toi, j'irais là-bas. Non, hein. Il faut du sang. Ah, ça allait la sauver là-bas. Je vais peut-être tomber pile sur la Claudette, regarde ça. Oh, slug là, et memento. Oh. Barre-toi l'autre. L'autre, tu te barres. Bah, surtout qu'elle reste sous la palette, je vais pas faire le mongolio. Hein. Madame, je vais te memento, oui, oui, oui. Après, faut juste qu'on aille vérifier qu'au-dessous sur la Yamaoka s'il y a toujours le masque. Ouais, ouais, ouais. C'est mon objectif. Je prépare la partie custom. Vas-y. Tu voudrais être tueur ou moi? Je veux bien être tueur. Toi? Allez, je peux te memento, vilaine. Non, j'ai oublié. Non, non. Hihi. Yes. Oh là là. Bouillie. Ah.
J'avais pas vu qu'elle avait du sang là, le comme petit, ça. Là, le petit filet de sang. Il est plus ou moins bien localisé. C'est un peu dégoulasse, hein. Ah, c'était beau. Allez, quitte donc ta game. Qu'est-ce qu'ils disent, ils ragent ou pas? Un peu. Ah, c'est dommage. J'aurais bien aimé que la Claudette, elle rage. Oui, tu m'as invité? Bah j'attends que tu finisses ta game en fait. Non, c'est pas que Yamaoka est devenu cette map, c'est que c'est un remake de la map. C'est non, c'est un autre royaume. Oui, non mais... Oui, ils ont pris la base de la map. Oui, non, voilà, c'est comme... Il y a plein de maps où il y a des variantes. Et du coup, c'en est... Il y a deux sortes de Yamaoka maintenant. Épée plus langue arrachée plus massue dans la face, c'est pas la journée de la Claudette. Ça, c'est sûr. Ah bah là, elle a pris la totale, la dame. Et tant qu'à faire, je vous avoue que... Hop, on va se faire plaisir. Hop. On va tout de suite, hein. Quel est le rapport avec la spirit? C'est un ancêtre de la spirit, le monsieur, là. Ouais. Un ancêtre samouraï, sûrement, mais de toute façon, je vous ferai l'histoire. Oui, oui. Je vous ferai l'histoire dans le week-end. Ce week-end, vous aurez le droit à l'histoire. Et du coup, je veux voir si le masque y est. Logiquement, non. Bah, si. Ouais. Il peut y avoir. Ouais, bah, je sais pas. C'est une réplique. Techniquement, vu qu'il n'y a plus le katana, maintenant qu'on sait qu'il a le masque en plus du katana, du coup, ça pourrait être logique qu'il n'y ait plus. Du coup. Après, l'entité fait bien ce qu'elle veut hein, avec les royaumes. Avec l'épée sur l'épaule pour commencer, c'est tellement stylé. Grave, j'avoue qu'il est vraiment stylé lui. T'as, j'ai déjà la trappe. Je spawn sur la trappe quoi. Super. Du coup, faut trouver. C'est mon écran, ouais. Attends, laisse-moi le suspense, Kosu. Si tu veux. Bah, je suis persuadé qu'il. Enfin, pas persuadé, mais je trouverais ça logique qu'il y soit plus. Mais d'un côté, il manquerait quelque chose. Et là, Kosu, il a déjà la réponse. Oui. Il est en train de twerk devant. Et vu son oui, je pense que voilà, il est encore. Excusez. Oula. Ah oui, d'accord, regarde. Attends, quoi? Mets-toi un peu plus loin. Là, comme t'es. Non, décale-toi. Mais je comprends pas ce que tu veux que je fasse, en fait. Je te mets comme ça. Juste que moi, on a l'impression que j'ai l'épée au-dessus du truc. Mais du coup, ça fait très bizarre quand t'es sur la vue du tueur. Parce que du coup l'épée est pas du tout Ah oui. Je l'ai sur l'épaule quoi pour toi. Ah ouais, j'avoue c'est bizarre ça. Hey. Je te vole ton sang. Non, je regarde, fais une offrande au dieu du sang là. Qu'est-ce qu'il a? Est-ce que c'est vraiment ressemblant les deux masques? Les deux masques? Bah ouais, sauf que... Lui il est plus clair, il est éclairé et tout. En fait il devrait lui faire vraiment du feu et tout qui sort des yeux comme dans la cinématique. Ouais, j'avoue. Ok, le mien ou... Ah mais oui, mais toi c'est juste que t'as... Oui, oh, tiens oui. Ouais bah le mien c'est tu vas voir. T'as, si t'as du feu, mais oui voilà quand... Tu peux passer un obstacle rapide. Du sang, c'est bon tu peux venir. Regarde-moi. Attends, devant mon masque. Tu me regardes là? Ouais ouais. Ah, ça clé, il est nul là. Alors, ça te fait rire? Bam! Tu rigoles, tu rigoles? Tu rigoles un peu. Eww! Ah mais toi la langue est... Ah non c'est ma main qui est légèrement en feu sur toi. Ah oui. Moi pas du tout. C'est ce qu'il y a du sang dans ta main. Ah oui ok. Je vois. Aïe aïe aïe, ouais ce memento est vraiment super vénère. Ouais, vraiment super vénère. C'est devenu mon memento préféré. Mais j'aime beaucoup en tout cas, c'est une belle découverte. Franchement ils ont vraiment bien bossé sur ce petit DLC, j'ai ouais. Hâte de faire l'histoire avec vous sur YouTube et surtout de continuer à farmer tout ça. Les perks de la survivante,
un bonheur relever des palettes, les gars. J'ai tellement hâte. Ça va être tellement drôle. Ça va être énorme. Après, bon, du coup, les tueurs vont. Déjà qu'ils ont, pour la plupart, beaucoup le réflexe de casser les palettes. Là, pour le coup, ils vont vraiment pas les louper. Mais, franchement, c'est pas mal. Bref, les gens, on va s'arrêter là pour ce soir. Merci d'avoir découvert ce chapitre avec nous. Demain, on fera sûrement un petit retour encore sur le PTB, hein, je pense. Oui, clairement, oui. Et puis voilà. Du coup, les gens, on vous fait de gros bisous et on Merci se dit à demain pour la suite. Ciao tout le monde. Ciao. Merci, Marina.